Bien, vous y êtes? Eh bien, merci d'être là. On va continuer notre petit voyage dans l'humanité, essayer de se doter d'outils de lecture de l'humanité qui nous permettent d'embrasser d'abord l'humanité dans un espace un peu universel, arrêter d'être gêné par les histoires de nationalité ou de religion, et favoriser le rapprochement entre les hommes, rapprochement qui de toute façon est inéluctable. Ce qui vous montre bien que quand j'ai construit ces outils, j'étais absolument pas objectif, puisque je poursuivais un objectif, faciliter le rapprochement entre les hommes. Donc il faut bien que vous voyez ça. Je ne vous présente pas ça du tout comme étant une espèce de vérité intangible. Hein. C'est une façon de regarder le monde qui a comme effet de faciliter le rapprochement entre les hommes. Si à titre personnel vous ne souhaitez pas le rapprochement entre les hommes, n'utilisez surtout pas mes outils. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Et on a commencé ce matin à regarder quelques notions clés, notamment la question du rapport à l'initiative, la question de la logique implicite des systèmes culturels, tu feras comme ton père d'un côté, tu feras mieux que ton père de l'autre, avec, ne l'oubliez jamais, une grande mobilité des hommes qui passent de l'un à l'autre et qui sont peut-être, c'est vous qui allez nous le dire, en train d'inventer de nouveaux modèles, de nouvelles façons de faire qui ne s'appliquent pas à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Dieu merci, un outil de lecture n'est pas prédictif. Un outil de lecture a comme prétention de faire la netteté sur le monde tel qu'on le voit, mais il n'est absolument pas prédictif. Et donc, liberté est donnée à tout le monde, et notamment à vous, parce que vous êtes peu ou prou les responsables du monde de demain, d'inventer de nouveaux rapports, de nouvelles façons de se considérer les uns les autres, des nouvelles façons de faire société. Bien sûr que ces outils-là ne vous gênent pas. On a aussi terminé la matinée sur la question des objectifs, avec des objectifs non quantifiables dans les schémas de précarité et des objectifs quantifiables dans les schémas de sécurité, et avec, bien sûr, aujourd'hui, un énorme problème, entre autres, c'est que notre société, dans son organisation, a toujours tendance à survaloriser les chiffres, alors qu'une part croissante de la société, retournant vers les schémas précaires, accorde plutôt moins d'importance aux chiffres. Et entre les deux, on a bien les tentatives du genre il faut chiffrer le bien commun, il faut chiffrer les apports de la nature, et on voit bien la tentative des systèmes économiques actuels de rester dans le quantifiable, quoi qu'il arrive, même si les uns et les autres, et j'en fais partie, essayent d'expliquer que de réduire l'humanité à des chiffres est à l'origine de la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui. Le jour où on sera capable de parler sérieusement du qualifiable sans parler du quantifiable, on arrivera à progresser. Mais c'est évidemment des schémas très compliqués. Et nous avons terminé la matinée par un éclairage parfaitement subjectif sur l'histoire des rapports hommes-femmes lorsqu'on les regarde à travers cet outil. Et donc, je vous ai expliqué ce qui me paraissait être une réalité, mais encore une fois, c'est une façon de voir, où quand le schéma de précarité se durcit, les rapports hommes-femmes ont tendance à s'éloigner, à diverger, et quand la situation, au contraire, est plutôt, en termes de certitude, ou plutôt de sécurité, en train de s'améliorer, les rapports hommes-femmes ont tendance à converger, les statuts hommes-femmes ont tendance à converger. C'est ma façon à moi de décrire les choses, ça n'est pas une réalité, encore une fois, à tendance métaphysique. Hein. Et l'un des problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est que votre génération notamment est de plus en plus en train d'intégrer des éléments d'incertitude, beaucoup plus que vos parents, parce que quand vos parents étaient à votre place, il y avait très peu d'incertitude dans le monde. Quand j'ai fait mes études, même si je suis probablement un peu plus âgé que vos parents, quand j'ai fait mes études, je raconte toujours que le monde tenait en trois phrases extrêmement simples.
il y avait un monde capitaliste développé qu'on nous présentait comme étant les gentils. Il y avait un monde communiste qu'on nous présentait comme étant les méchants. On n'était pas obligé d'être d'accord, hein, mais ça nous était présenté comme ça. Et puis il y avait les autres qu'on appelait le tiers-monde. Et si on était un jeune fils de bonne famille, il fallait aller aider le tiers-monde. Point. Le monde tenait en trois phrases. Ce qui est extraordinairement simpliste, bien évidemment, mais qui faisait qu'on construisait notre trajectoire professionnelle sur une base de certitude aussi simple que cela, aussi simpliste que cela. Donc ça nous donnait un confort qui n'a plus rien à voir avec le vôtre. Parce qu'aujourd'hui, pour décrire la complexité du monde, il faut des semaines et des semaines, et personne n'y arrive jamais. C'est devenu extraordinairement complexe. Alors nous sommes tous convaincus qu'à l'époque, le monde était aussi complexe, mais on nous le présentait comme étant simple. Aujourd'hui, tout le monde sait que le monde est extrêmement complexe. Et rien si je vous demande de m'expliquer en quelques phrases ce qui se passe en Syrie, on peut commencer maintenant, demain soir on n'aura pas fini, et il ne s'agit que d'un pays parmi d'autres. Hein. Donc ça introduit chez vous un sentiment d'incertitude beaucoup plus grand que ce que nous avions à notre époque, et donc des aspirations à construire un monde autrement, bien entendu, bien entendu. Si les outils que j'ai fabriqués, que je vous présente, vous sont utiles pour fabriquer votre propre lecture du monde, parfait. Parfait. Je ne vous demanderai jamais de le prendre in extenso. C'est une façon de vous tendre des miroirs, regardez tout ça, et vous fabriquez votre propre vision du monde. C'est celle-là qui compte, bien entendu. Ce n'est pas la mienne. Sur ce qu'on a vu ce matin, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont restées en travers? Est-ce que j'en ai choqué beaucoup? On m'a fait savoir que j'avais de temps en temps des propos un peu choquants. N'hésitez pas à me le dire. Je ne me rends pas toujours compte parce que j'ai un peu trop l'habitude. Et donc, je ne me rends plus suffisamment compte. Et puis, bizarrement, vous avez un an de moins chaque année, en gros. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Moi, j'ai l'impression de ne pas changer, mais les étudiants ont un an de moins chaque année. Bon, alors, finalement, il va y avoir un écart un peu important. Voilà, donc n'hésitez pas. Est-ce que j'ai dit des choses qui... éventuellement vous ont choqué et puis vous partez avec un traumatisme tel que mon passage aurait été extrêmement négatif. Donc je voudrais savoir quand même, à peu près les uns et les autres là. Qui a envie de me pendre haut et court parce que j'ai dit quelque chose d'absolument horrible? N'hésitez pas quand même, ayez la simplicité de le dire, hein, vous avez absolument le droit. Non? Bon, enfin, voilà. Mais sachez que j'ai quand même conscience de vous entraîner sur des territoires peut-être un peu inhabituels. C'est ce que l'un d'entre vous vient de me dire. On n'a pas l'habitude de raisonner comme ça. C'est aussi pour ça que je suis là. Je fais une intervention tout à fait du même ordre devant les cadres du ministère de l'écologie et du développement durable. Et l'intitulé de la journée s'appelle « Penser autrement ». Mais c'est la même chose. Hein. Et ma raison d'être au ministère du développement durable... c'est de dire au cadre, on peut penser autrement. On peut. On n'est pas obligé, mais on peut. Il n'y a pas qu'une seule façon de penser, il y en a plein. Et c'est ça fondamentalement que l'on cherche. Vous donner la mobilité intellectuelle pour inventer de nouveaux concepts, de nouvelles façons de penser. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas de reprendre in extenso les fadaises que moi je peux raconter parce que je suis un homme déjà d'un certain âge et que ça fait 55 ans que je voyage. C'est tout. Ce que je vous dis là, c'est le résultat de mes propres observations. Lors de mes voyages dans à peu près, j'ai pas fait un compte exact, mais à peu près 70 pays du monde depuis 53 ans. Voilà, c'est ça, le résultat, tel que je les ai vus et tel que j'ai essayé de les mettre en forme. Ça n'est rien d'autre que ça. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? J'aimerais bien avoir quelques interrogations, quelques questions, quelques protestations, pour qu'on démarre sur des bases simples. Qui a des questions? Qui a des protestations vigoureuses? Le roi, une protestation. Pour le fun. Non? Mesdames? Non, mais on peut rouspéter, on peut ne pas être d'accord, on peut rajouter, on peut contredire, il ne faut jamais hésiter. Non. Ah, parce qu'elle vit dans un contexte où quand elle se trompe, elle meurt. Donc si elle ne meurt pas, c'est qu'elle ne s'est jamais trompée.
Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ce par quoi j'ai commencé, ce qui m'a été expliqué par un nomade algérien. Hein. Et j'ai trouvé que c'était assez simple, finalement, et ça pouvait servir de base dans l'élaboration d'un outil de lecture. Parce que tout ce que je vous raconte là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je fais une espèce de copier-coller de tout ce que les gens m'ont dit à travers le monde. Donc j'ai élaboré ça autant dans le désert algérien que dans la forêt amazonienne qu'ailleurs. Hein. Petit à petit, j'ai élaboré en fonction de ce que me disaient les gens, les uns et les autres. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Ne me dites pas que vous n'avez pas eu le temps de poser des questions après. Un commentaire sur la matinée ? Dites-moi, allez, un petit commentaire sur la matinée. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est tout. C'est bien ! Mais je suis sûr qu'il y a des agents qui ont un avis contraire, alors je voudrais que tout le monde puisse s'exprimer. Non ? Il y en a qui ça ? Non, mais de toute façon, il faut prendre l'habitude de dire qu'on n'est pas d'accord avec le mec qui parle. Hein. Ça, c'est une très très bonne habitude. Toujours pas ? Pas de volontaire ? Bon, on continue. Vous avez un papier, un crayon quand même sur vous ? Non. Si. Non, non, pas un PC, justement, un papier, un crayon. Bon, non, mais c'est... Donc je ne vais pas pouvoir faire le petit exercice que j'avais prévu parce que vous n'avez plus de papier de crayon. Alors, état d'exercice qu'on ne peut pas faire. C'est dommage. J'aurais bien voulu, mais bon. On essaye quand même sans papier, sans crayon. Allez, pour changer les idées. Est-ce qu'on vous a raconté... Est-ce qu'Alexandra vous a raconté ce qui était arrivé à Albert Magnan ? Non ? Elle ne vous a pas raconté ? Mais elle devait vous raconter ce qui était arrivé à Albert Magnan. Voilà, moi je confie des missions comme ça aux gens et puis c'est terrible quoi. Alors je m'en vais vous narrer cette petite histoire. Albert Magnan est un agriculteur qui habite le nord de la Seine-et-Marne, pas très loin d'ici d'ailleurs à vol d'oiseau. Dans un village dont le nom a une importance capitale pour la suite de l'opération, ça s'appelle Choconin-Neufmontier. Retenez ça, c'est absolument capital. Donc Albert Magnan habite Choconin-Neufmontier, un petit village dans le nord de la Seine-et-Marne. Et alors, c'était en décembre 2016, je passe devant chez mon ami Albert, et je me dis, j'ai pas de nouvelles de lui depuis très longtemps, qu'est-il devenu ? Je rentre dans la cour de la grande ferme Briard en carré, vous savez, là, avec une cour de 6000 mètres carrés à peu près. Je gare ma voiture et je vais frapper à la cuisine, pococo, et j'entends une voix lasse qui me dit « Ouais, entrez !» Ouh ! Alors je rentre et je vois que mon ami Albert Magnan va très mal. Il a une mine de 3 pieds de long, il est vautré sur sa chaise de cuisine, quasiment sur la table, et je vois bien que le moral n'est pas au beau fixe. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, Albert ? Quel est ton problème ? Oh, il dit, j'en ai marre. Il fait un temps de chiottes. Je suis plein de rhumatisme. Je suis vieux. Il est encore plus âgé que moi, c'est vous dire. Il atteint des degrés. Et donc, il dit, je ne passerai pas l'hiver. Je dis, mais alors, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, ben, je fais ce que n'importe quel agriculteur fait quand il sent qu'il ne passera pas l'hiver. Que fait un agriculteur briard quand il sent qu'il ne passera pas l'hiver ? Il pense à quoi ? D'après vous, il pense à quoi ? Vous n'avez pas idée ? Ah, c'est que vous n'êtes vraiment pas du monde rural, alors. Bah, la transmission de son patrimoine. Et, si vous voulez, pour un agriculteur, c'est évident. Donc, il pense à la transmission de son patrimoine. Il dit, d'ailleurs, viens, tu vas pouvoir m'aider, parce que j'y arrive pas. Tu connais mes 4 fils ? Je dis, oui, très bien. Je les ai vus grandir et tout. Je vais leur filer mon patrimoine, mais j'aimerais bien que ça se déroule bien et que ça ne se termine pas au 12, au fusil de chasse. Parce que, donc, j'aimerais bien diviser mon patrimoine entre mes 4 fils. Mais pour qu'il n'y ait strictement aucun problème, j'aimerais bien que, dit-il en sortant son dossier qui était son relevé cadastral, j'aimerais bien que tu m'aides à diviser mon patrimoine qui est ici, ça c'est l'exploitation d'Albert Magnan, dans ce charmant village de... Combien qui écoute ? Choconin-Neufmontier.
Et pour qu'il n'y ait aucun problème, il aimerait diviser en quatre parties de même forme, de même surface et d'un seul tenant. Alors faites comme si vous aviez un papier et un crayon et dessinez-moi la forme des parcelles qui fait que... Ah non, si tu fais comme ça, il y en a deux grandes et deux petites. Tu traces des diagonales, la diagonale d'un carré étant égale à la racine carrée de 2, tu vas avoir deux petits et deux grands. Et alors, quatre parties de sans papier, sans crayon, je ne vous cache pas que ça me paraît difficile à faire. Mais quand vous êtes une génération qui n'utilise plus ni papier ni crayon, non, non, pas des triangles. Si tu démarres avec des triangles, tu as deux grands et deux petits. La même forme en deux fois moins large, c'est-à-dire... Vas-y. Alors on va voir si ça peut être comme ça. On me suggère une réponse. Mais avant de venir sur cette réponse, je vois qu'il y en a un qui semble l'avoir trouvé. On va y revenir tout à l'heure. Je repasse un an après, donc en décembre 2017, dans ce charmant village de Choconin-Neufmontier, chez mon ami Albert Magnan, et je frappe à la porte, et je vois qu'il est tout guilleré. Je dis alors, comment vas-tu cette année? Il dit, mais d'enfer, hein. J'ai passé l'hiver dernier, là où tu m'avais aidé à essayer de diviser mon patrimoine, et alors j'ai tellement la forme que j'ai acheté la parcelle de mon voisin, et j'envisage maintenant de diviser mon patrimoine en cinq parties, de même forme, de même surface et d'un seul tenant. Et là, diviser le patrimoine en cinq parties, de même forme, de même surface et d'un seul tenant. Comment tu dis ? Eh oui, là en réalité, évidemment, la solution est beaucoup plus simple. On fait cinq bandes. Et ça marche, à condition de ne pas être coincé dans le raisonnement antérieur, qui est ce que l'un d'entre vous avait évoqué, à savoir quatre parcelles comme ça, parce qu'une fois que vous êtes à quatre parcelles comme ça, mentalement, pour retrouver les cinq bandes, c'est presque impossible. Ceci pour illustrer simplement, et d'habitude je le fais avec papier et crayon, et ça dure un peu plus de temps que ça, pour illustrer simplement que lorsqu'on a un mode de pensée qui semble avoir fait ses preuves, pour s'en détacher, c'est extrêmement compliqué. Parce que justement, le mode de pensée antérieur a fait ses preuves. Et ce que je suis en train de vous proposer aujourd'hui, c'est la même chose, c'est-à-dire on arrête de penser comme d'habitude, on efface tout et on recommence. Il y a une humanité sur la planète Terre, elle fonctionne comment? Et non pas il y a des Français, des Chinois, des Allemands, des Musulmans, des Juifs et des je ne sais pas quoi. Et donc de prendre les choses globalement de façon à dresser les lignes d'un schéma de dialogue qui soit beaucoup plus ouvert. Pourquoi je fais ça alors que j'ai tout le système? Alors nous en revenons à ce qu'on avait vu ce matin. Et nous en étions, si mes souvenirs sont bons, ici. Et là, encore une fois, dites-vous bien que je ne souscris à rien de particulier, je n'approuve rien de particulier. Je constate simplement la divergence statutaire dans les schémas de précarité, la convergence dans les schémas de sécurité, et le fait qu'aujourd'hui, eh ben, nous sommes en train d'osciller entre les deux avec une intensité plus grande qu'à la fin du XXe siècle. Et que donc ça repose des questions fondamentales de rapports humains. Mais tout ceci va être compliqué par d'autres choses. Compliqué notamment par un problème qui se pose dans à peu près toutes les sociétés du monde, à la naissance d'un enfant. Ce problème est très simple. Qui est le papa? Alors c'est un doute anthropologique, autrement dit, ce n'est pas un doute qui traverse l'individu forcément, pas du tout. Mais un doute anthropologique qui remonte tout simplement à l'époque où on ne savait pas que les hommes jouaient un rôle à la naissance des enfants. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas si vieux que ça. Il n'y a que 34 000 ans, que l'humanité s'est rendue compte que les hommes jouaient un rôle à la naissance des enfants. Avant, ben, les enfants, ils étaient là, ils sortaient du ventre des femmes, mais comment ils y étaient rentrés? Intervention divine, tout ce qu'on peut imaginer. Les choses n'étaient pas du tout claires dans la tête des hommes.
Il n'y a que 34 000 ans, ce qui, au regard de l'histoire de l'humanité, n'est pas si long que ça, que l'on sait le rôle joué par les hommes dans la naissance d'un enfant. Et donc toutes les sociétés ont pris en charge, de façon implicite, la question de la paternité. Avec les moyens les plus divers, y compris, et je m'empresse de le dire, et quitte à ce que ça fasse des bons, y compris les plus barbares. Mais l'humanité a inventé un certain nombre de phénomènes, d'organisation, de façon de faire, pour gérer le doute sur la paternité. Alors comment ? Il y a en gros 7 ou 8 méthodes qui se combinent plus ou moins, qui sont à peu près toutes les mêmes. Encore une fois, je parle d'un doute qui est un doute implicite, qui n'est pas un doute explicite. La plupart du temps, personne n'a de doute sur le fait qu'il est le papa, que c'est lui, etc. Mais il y a un doute anthropologique antérieur à ça, inconscient, qui court. Alors, la première des méthodes, je dis première simplement parce que c'est celle que nous connaissons bien. Elle n'est pas première en réalité. Mais voilà. Ça consiste à travailler par affirmation. J'affirme que le papa, c'est lui. Et comment je le fais pour affirmer ? Je donne à l'enfant le nom du père. Je suis en train simplement de vous rappeler pourquoi il y a une tradition qui consiste à donner aux enfants le nom du papa. En termes clairs, c'est tout simple. Quelle est la raison ? Mais c'est parce qu'on connaît déjà la maman. Comme la maman est réputée connue, le papa, on le nomme. Ça a donné cette pratique sociale extrêmement courante, donner aux enfants le nom du père. Mais sans nous expliquer d'où venait cette pratique. Elle est extrêmement simple. Il y a une deuxième méthode, parce qu'on n'est pas du tout obligé. Quand j'évoque ces méthodes, aucune n'est obligatoire. Les hommes choisissent plus ou moins consciemment l'une ou l'autre méthode, et ils peuvent en changer au cours des siècles, bien entendu. L'autre méthode a consisté à dire, on donne aux enfants le nom du père et de la mère, mais alors en contrebalancé, on va faire une image masculine considérable. Et ça vous donne des sociétés à image masculine hypertrophiée, où tout ce qui compte dans la société, c'est le visage du mec, catégorie poils qui sortent de la chemise, gourmette, chaussures bicolores, le macho méditerranéen, que l'on retrouve partout, et qu'encore une fois, je n'approuve pas, mais qui est. Ce machisme méditerranéen, que l'on retrouve autant sur le nord de la Méditerranée, plutôt de tradition chrétienne, que sur le sud, plutôt de la tradition musulmane, mais on le retrouve aussi dans la tradition juive, c'est toujours la même chose. C'est l'homme, d'abord, on retombe sur ce qu'on a évoqué ce matin, mais par un autre biais, bien sûr, en oubliant au passage de nous dire que ce sont aussi les sociétés de la mama. Parce que dans les fameuses sociétés dites machistes, la décision finale dans les familles, c'est rarement le monsieur qui la prend. C'est en général la maman. Vous pouvez réécouter cette vieille chanson d'Aznavour qui raconte ça très très bien. Toutes ces sociétés méditerranéennes que l'on présente comme des sociétés hyper machistes, c'est indéniable, sont aussi les sociétés de la maman. Ça, c'est une deuxième façon de gérer le doute sur la paternité. Et puis, il y en a une troisième qui a été élaborée au fil des siècles, et les premiers à l'élaborer de façon explicite, c'est les hindouistes, qui disent « c'est bien joli cette histoire de société machiste, mais ce n'est qu'une image masculine qui subit une inflation permanente puisqu'elle tente d'équilibrer le rôle de la mère ». Est-ce qu'une image peut équilibrer un rôle ? Bien sûr, jamais. C'est pour ça que l'image machiste est en inflation permanente et elle ne parvient jamais à équilibrer le rôle de la mère. Jamais. Donc l'hindouisme vous propose une organisation du monde avec un équilibre de rôle et non pas d'image. Alors au milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, l'hindouisme nous dit une chose assez simple. D'abord, il se déploie autour d'une idée de la réincarnation, qui est la déclinaison locale de l'accès à la vie éternelle. Et pour se réincarner dans l'hindouisme, vous avez une obligation. Votre bûcher de crémation doit être allumé par votre fils. Alors bien sûr, on peut râler encore tout pour les garçons, etc. Bien sûr, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi le fils ? Pour une raison très simple. C'est qu'on réserve au seul garçon le soin de poser les actes symboliques qui permettent d'accéder à la vie éternelle.
étant entendu que nous n'accédons à la vie que par les filles. Et c'est une tentative de rééquilibrage des rôles. Comme nous n'accédons à la vie que par les filles, alors nous n'accéderons à la vie éternelle que par les garçons. Et là, on essaye de rétablir un équilibre. Il vaut ce qu'il vaut. On peut ne pas être d'accord, bien entendu. Mais moi, ce qui m'amuse, c'est qu'évidemment, ça oblige à avoir un garçon. Mais ce qui m'amuse aussi, c'est quand je vais en Chine, je regarde le culte des ancêtres, qui est la déclinaison locale de l'accès à la vie éternelle, pratiqué que par les garçons. Et puis ensuite, je vais voir l'église catholique romaine, où les cultes ne sont pratiqués que par les garçons. C'est-à-dire qu'il y a une constante fantastique, où dans toutes les grandes religions du monde, mis à part une que certains vont me citer probablement, dans toutes les grandes religions monothéistes comparables, eh bien, on réserve aux seuls garçons le soin de poser les actes symboliques qui permettent d'accéder à la vie éternelle, parce que on n'accède à la vie que par les filles. Et moi, ce qui me fascine encore une fois, c'est que l'humanité fait toujours la même chose. Alors ça porte des noms différents, ça a des formes différentes, mais le fond est toujours le même. L'humanité est bien une. Et puis il y a une autre formule. Alors évidemment, ça oblige à avoir un garçon. Tant que le taux de natalité est élevé est important, on a toujours des garçons et des filles. Plus le nombre est grand, plus la statistique vient à notre ressource, à notre recours, et donc on finit par avoir un garçon, ça marche. Sauf que si là-dessus vous mettez en place une politique de limitation des naissances et qui ne vous autorise plus qu'à un enfant, si cet enfant unique auquel vous avez droit est une fille, au moment de sa naissance, qu'est-ce que les parents perdront ? L'accès à la vie éternelle. Rien que ça. Donc un certain nombre de gens ont opté pour une autre stratégie diabolique. Enfin diabolique, non, ce n'est pas le bon terme. Une autre stratégie qui est de dire, ben, on va faire une échographie. Si le bébé à venir est de sexe féminin, il ne faut pas qu'il vienne. Parce que le jour où il vient, j'ai plus accès à la vie éternelle. Donc on va faire des avortements thérapeutiques avec les fœtus féminins. Et il y a donc surabondance de naissances masculines dans les sociétés de ce type. C'était essentiellement Chine et Inde. Chine jusqu'à il y a 3 ans. C'était pour ça qu'il y avait effectivement des infanticides de bébés féminins, pour cette raison-là, première, qui n'est pas forcément consciente. Mais il faut bien voir, et j'espère vous le montrer petit à petit, que nous ne sommes pas seulement ce que nous croyons être. On trimballe des tas de choses depuis la nuit des temps qui viennent jouer plus ou moins consciemment dans notre histoire. C'est pour ça que la Chine, il y a 3 ans, devant ce constat dramatique, les Chinois sont tout à fait au fait de toutes ces questions-là, ont modifié la politique de l'enfant unique avec une idée simple, si votre premier enfant est une fille, vous avez le droit d'en avoir un deuxième. Pour à la fois garder le contrôle de la natalité et éviter la surmortalité des fœtus féminins. Diriger un pays comme la Chine, au point de vue démographique, vous savez, c'est un grand boulot. Et moi, je suis très, très humble. Quand il y a des gens qui ont le culot d'essayer de se coltiner ça, eh ben, bravo, c'est pas simple. Ça, c'est les 3 premières méthodes, toujours de gestion du doute sur la paternité. Et puis, il y en a d'autres, parce qu'il y en a toujours d'autres. Il y a celle qui est beaucoup utilisée aujourd'hui en Afrique centrale, mais il est probable qu'elle a eu pendant longtemps le vent en poupe et que ça a été pendant longtemps, probablement, quasiment la seule méthode. C'est de dire, bon, il y a doute sur la paternité, et alors ? Est-ce que c'est important ? Et ces groupes-là ont décidé que, bon, puisqu'on n'était pas tout à fait sûr que le père soit le père, on ne va pas confier à ce père supposé tous les attributs de la paternité. C'est très simple, hein ? C'est la gestion des incertitudes. Ni plus ni moins. Donc, on va laisser le papa supposé gérer le quotidien de ses enfants. C'est qui ses enfants ? Les enfants de la femme dont il partage la vie, qui seront réputés les siens. Et vous n'allez pas nous emmerder avec les détails. C'est à peu près comme ça que ça se gère, même si ça peut nous paraître extrêmement cynique, bien entendu. Mais l'anthropologie est pleine de cynisme. Donc,
On dit, voilà, tu nourris les enfants de la femme dont tu partages la vie, c'est réputé les siens, et on ne va pas chercher plus loin. Mais alors, à qui confier les attributs d'autorité masculine? Parce qu'on ne va pas les confier au papa, puisqu'on n'est pas sûr que c'est le papa. Mais on va le confier au seul homme qui entretienne avec l'enfant une relation qui évite tous les liens de paternité. Or, si vous prenez un homme, une femme et les enfants, quel est par rapport aux enfants le seul homme qui entretienne une relation dans la famille qui évite tous les liens de paternité? Allez, allez. Qui? Quel oncle? Le frère de la mère. Et donc, logiquement, le frère de la mère va devenir dépositaire des attributs d'autorité masculine sur ses neveux, les enfants de sa sœur. Ça vous donne les sociétés matrilinéaires qui sont très souvent confondues avec des sociétés matriarcales. Elles ne sont pas matriarcales, elles sont matrilinéaires. Ça vous donne un génogramme. Ça ne veut pas marcher non plus. Top, top, top. C'est moins compliqué qu'il n'y paraît. Je construis ce génogramme à partir de Ego, personnage central, et tous les noms qu'il a donnés aux différents personnages de ce génogramme, c'est par rapport à Ego, je en latin. Donc j'ai mis je, un homme, X. Quand je prends un exemple, même parmi vous, c'est évidemment par vous que je cite, hein, j'espère que vous avez compris. Vous ne vous sentez pas fixé si de temps en temps j'en cible un ou l'autre, c'est juste pour la dramaturgie. Donc, Ego et son épouse ont un fils et une fille, cas basique. J'ai donné à Ego une sœur qui est mariée, qui a un neveu, une nièce, qui a lui aussi fils et fille. Et je lui ai donné un frère qui est marié, qui a aussi un fils et une fille, pour qu'on puisse avoir à peu près, voilà, qu'on puisse avoir à peu près tous les cas de figure. Bon, ce monsieur, bien sûr, avec sa sœur et son frère, il a un papa et une maman, qui ont eux-mêmes des parents. Jusque-là, c'est simple. Sauf que dans une société matrilinéaire, on ne se reconnaît que par les filiations féminines. On est les enfants d'une femme. On n'est pas les enfants d'un homme. On est uniquement les enfants d'une femme. Ça veut dire que la filiation se fait par ce qu'on appelle les voies utérines. C'est la filiation par le sang. C'est la filiation qui évite les incertitudes. Il n'y a pas d'incertitude par les femmes. Donc, si vous demandez à Ego, comment va ta famille? Eh bien, Ego peut parfaitement, dans ce cas de figure, vous expliquer que certes, il a un enfant très très malade, mais que sa famille va très très bien. Et là, vous dites, attendez, le mec, il a un enfant à l'article de la mort, et tout, que sa famille va bien. Ça va pas, ça. Sauf qu'il n'y a que vous qui croyez que son fils fait partie de sa famille. Mais non. Les gens qui font partie de sa famille, ce sont les gens issus d'une même femme. Donc j'ai mis sur ce croquis des gens en marron, comme ça, et le mot famille chez lui évoque sa sœur et les enfants de sa sœur, ça évoque son frère, mais pas les enfants de son frère, et ça n'évoque pas ni sa femme ni ses enfants. Ça, c'est son foyer, c'est pas sa famille. Et dans ce monde-là, la distinction est très claire. Le foyer et la famille sont deux choses différentes. Donc, on se retrouve là avec quelque chose qui peut nous heurter, parce que quelqu'un peut vous parler de sa famille d'une part et de son foyer d'autre part, avec des propos diamétralement opposés. Ça, c'est un premier élément. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 1 milliard d'individus sur Terre qui fonctionnent sur ce registre-là. 1 milliard, c'est pas tout à fait rien. Je travaille avec beaucoup d'entreprises françaises qui ont des filiales en Afrique centrale, et qui ont des tas de problèmes de management du personnel à cause de ça. Pourquoi? Tout simplement parce que si Ego a 4 sœurs, Ego s'occupe de tous ses neveux. Si chacune de ses sœurs a 4 enfants, hypothèse X, 4 sœurs, 4 enfants, 16 neveux, vous pensez bien que les charges sociales sur Ego n'ont rien à voir avec ses 2 enfants. Parce qu'il doit gérer ses neveux. Tout ou partie, il y a autant de cas de figure que d'individus. Mais du coup, voilà des cas sociaux qui posent des problèmes aux managers des sociétés
françaises installées dans ces contextes parce qu'ils n'ont jamais fait de sciences sociales, ils n'ont jamais fait d'anthropologie et ils ignorent qu'il y a différents types de familles. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué parce que pour que ça marche, il y a une obligation. Il faut que toutes les sœurs aient un frère. Alors déjà, vous vous rendez compte que ça ne travaille pas en faveur de l'enfant unique. Mais non, il faut que toutes les filles aient un frère. À qui confier l'autorité parentale sur leurs enfants. Alors le système est extrêmement bien organisé. Sachez que les systèmes spontanés sont toujours très très rationnels. Comment ? Eh bien tout simplement, les sœurs de maman sont appelées maman. Donc on a plusieurs mamans dans ce chapitre-là, dans ce domaine-là. On a plusieurs mamans. Si maman a trois sœurs, eh ben j'ai quatre mamans, que je considère de la même façon, envers qui j'ai les mêmes devoirs, les mêmes obligations sociales, ce qui vous décrit déjà des sociétés dans lesquelles le niveau d'obligation sociale est absolument considérable. Ce n'est pas franchement des sociétés de liberté individuelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc on a ce schéma-là, plusieurs mamans. Très bien. Et les génogrammes du monde entier nous montrent l'obligation du parallélisme de forme. Donc, les frères de papa s'appellent papa, mais la sœur de papa s'appelle papa femme. Tata Yatengo, en Monokutuba, parlait à pointe noire. C'est-à-dire que ça devient compliqué à nos yeux, à nous, puisque ce que nous appellerions, nous, une tante paternelle, va être appelé papa-femme. Et ses enfants sont eux aussi des papas. Donc notre capacité à se débrouiller là-dedans est très vite proche de zéro. Parce qu'on n'y comprend plus rien, alors qu'en réalité, c'est extraordinairement logique. Alors, l'effet est celui que je vous disais. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des cadres d'entreprise qui fonctionnent dans un système de ce type-là, mais qui ne vous le diront jamais. Pour deux raisons. Soit ils n'ont jamais eu la possibilité de l'expliciter parce qu'ils ne connaissent que celui-là, hypothèse A, soit, et c'est aussi possible, parce qu'ils considèrent que de toute façon, les Occidentaux sur le sujet ont une capacité de compréhension extrêmement faible. Et X fois dans ma vie, je me suis d'abord heurté, ah mais de toute façon, vous, vous n'y comprenez rien du tout, donc je renonce à vous expliquer. Et donc... On a ces mécanismes-là qui sont en route. Parmi les difficultés que cela peut faire naître, il y a le fait que dans la langue locale, le mot qui est utilisé, ici j'ai mis moana, c'est, j'ai pris le monokutuba qui est une langue parlée à Pointe-Noire, pour désigner mes enfants, mais en fait moana veut dire les enfants des hommes du groupe. Alors il y a deux conséquences, et je m'arrêterai là, c'est simplement pour vous montrer qu'il faut un peu de temps pour rentrer là-dedans. C'est que les enfants de mon frère, comment je vais les appeler ? Mon frère fait partie de mon groupe, donc ses enfants, c'est aussi moana. Et du coup, les enfants de mon oncle fait partie de mon groupe, de ma famille, donc je vais aussi les appeler moana. Et donc, entre la langue locale et le passage au français, je vais avoir un énorme problème. Parce que le mot fils et fille, qui en français ne désigne que les enfants que j'ai avec ma femme, dans une langue parlée par un groupe qui appartient au monde de la matrilinéarité, désigne tous les enfants des hommes du groupe. Et donc quand ils commencent à se présenter à la mairie du quartier et qu'on leur demande combien ils ont d'enfants, au bout d'un quart d'heure, en général, l'officier d'état civil qui est de l'autre côté du guichet est complètement perdu. Il dit « Mais vous avez commencé en me disant que vous avez deux enfants, on en est déjà à six. J'y comprends rien, alors vous en avez deux ou six. Ces deux-là, vous m'avez dit que c'est vos enfants, et maintenant je m'aperçois que c'est les enfants de votre frère, alors j'y comprends rien, c'est vos enfants ou les enfants de votre frère ? » Et le gars est obligé de répondre. Mais bien sûr que ce sont mes enfants, puisque ce sont les enfants de mon frère. Et là, vous comprenez que l'officier d'état civil, qui n'a jamais fait d'anthropologie, est assez rapidement dérouté et va prêter l'oreille à tous les discours obscurantistes qui traînent dans notre société. Donc je passe beaucoup de temps à former les officiers d'état civil de la banlieue parisienne. Pour dire, écoutez, on va faire une demi-heure d'anthropologie, si vous voulez bien, pour arrêter de dire et de penser n'importe quoi sur ces familles. Parmi les autres effets pervers, et je terminerai là-dessus,
L'administration française fait comprendre à ces familles qu'un enfant doit être élevé par un homme et une femme seulement. Or, dans ce système-là, les enfants sont élevés par trois adultes. Le papa, la maman et l'oncle. L'oncle étant chargé de toutes les décisions importantes. Et dans les trois, s'il faut en supprimer un, quel est finalement le moins important ? Le papa. Et donc, vous avez des familles qui essayent de s'adapter aux injonctions plus ou moins explicites de l'administration française. Et donc, dans un appartement, vous pouvez avoir une femme qui élève ses enfants et qui héberge son frère. Et son mari est rentré au pays pour s'occuper de ses neveux. Et là, évidemment, que l'assistante sociale de secteur, pas forcément très férue d'anthropologie, commence à rien comprendre du tout. Et si par hasard, devant elle, le petit dernier qui a 18 mois, qui commence à marcher, commence à balbutier ses premiers mots et dans toutes les langues du monde pour désigner l'homme, le mot qui va sortir, c'est papa. Alors si le neveu appelle son oncle papa, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Et vous voyez tout ce qui peut s'enclencher là-dessus. C'est-à-dire que là, on va avoir des signalements, des suspicions d'inceste, et toute une rhétorique complètement folle qui va se développer, reposant exclusivement sur l'ignorance de l'anthropologie de la plupart des acteurs sociaux en France. D'accord jusque-là ? Voilà à peu près les quatre systèmes que l'homme a inventés pour gérer le doute sur la paternité. Des questions ? Ça marche pas, ce truc-là. Alors maintenant, on en revient à notre idée là. Tout ça, évidemment, se multiplie, se réinvente en permanence. Et par contre, aujourd'hui, par exemple, je suis très souvent l'objet de sollicitations de la part de travailleurs sociaux qui m'expliquent qu'on voit apparaître de nouveaux modèles familiaux. Bon, je dis, c'est quoi, nouveaux modèles familiaux ? Alors, il y en a un qui, quand même, est en train de prendre énormément d'ampleur, c'est la famille monoparentale. Alors, je dis, ah bon, c'est quoi, la famille monoparentale ? Dans 95% des cas, c'est une femme qui élève seule ses enfants. Bon. Et quand vous allez voir cette famille monoparentale, une femme qui élève seule ses enfants, et toutes les difficultés qui vont avec, bien entendu, quand je leur demande, mais t'entends, vous avez éventuellement un gars pour vous donner un coup de main quelque part ? Qu'est-ce que ces femmes me répondent ? J'ai mon frère qui habite pas loin. Je dis, c'est ça le nouveau modèle parental ? Votre frère vous donne un coup de main ? Je dis, elle, c'est probablement la famille d'origine. Celle qui a duré extrêmement longtemps avant qu'on se rende compte du rôle noué par les hommes dans la naissance des enfants. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on se rende compte que les hommes jouaient un rôle dans la naissance des enfants, les familles étaient toutes comme celle-là. Elles étaient toutes matrilinéaires. Et des grands systèmes culturels et religieux ont repris ça à leur compte. Le monde juif fonctionne exclusivement sur la matrilinéarité. On est juif par la maman. Donc ce n'est pas du tout nouveau. Simplement, comme les incertitudes réaugmentent, les familles qui gèrent l'incertitude très bien renaissent. Et je ne dis pas que c'est bien du tout. Les hommes s'adaptent au contexte tel qu'ils le perçoivent. Alors, tout ça va être encore un petit peu compliqué. Parce que vous êtes rendu compte ce matin... Ah oui, pardon, excuse-moi. Juste une petite question. Si la mère a plusieurs frères et les enfants, donc plusieurs oncles, comment ça se fait dans ce cas-là ? C'est une question d'âge, peut-être ? Il y a la conjonction de deux facteurs. Il y a des endroits où c'est l'aîné qui va être chargé de tout ça, ce qui est une charge écrasante. Il y a des endroits où c'est celui qui gagne le mieux sa vie. Et puis, il y a une combinaison des deux, souvent. Alors, pendant longtemps, la possibilité offerte aux oncles de se soustraire à ces obligations sociales était quasiment nulle, jusqu'à il y a 30 ans. Et donc, les oncles en question étaient submergés d'obligations sociales. Au point que leur investissement dans l'entreprise était extrêmement faible. Imaginez si vous faut gérer en permanence 16 neveux dont vous devez payer la scolarité, tous les frais médicaux,
ça va vous bouffer du temps hein, et des moyens. Pendant à peu près, on va dire globalement, jusque vers la fin du XXe siècle, ces oncles-là étaient submergés par les obligations sociales, surtout s'ils étaient à la fois l'aîné et celui gagnant le mieux sa vie. Alors le gars, c'était l'enfer. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils partaient, pour mettre de la distance. Et beaucoup partaient en disant, si je rentre, parce que moi je leur disais, mais attendez, vous êtes formé, vous êtes ingénieur, maintenant rentrez chez vous, votre pays a besoin de vous. Ils disaient, mais si je rentre, je vais me faire bouffer. Ça voulait dire ça. Je vais me faire avaler par les obligations sociales de ma famille, qui va me tomber sur le rabble. Maintenant, avec l'augmentation du niveau de formation moyen partout, les négociations sont possibles. Et la plupart du temps, ils annoncent assez vite combien de neveux ils prendront en charge. Mais c'est le fruit d'une négociation. Et j'ai eu de nombreux amis qui m'ont expliqué ça. La plupart d'entre eux arrivent à négocier avec leur famille et disent, bon, en plus de mes enfants, je prends en charge 2, 3, 4 neveux. L'un d'entre eux au Gabon un jour m'a dit, j'ai dû céder, j'étais pas en position de force, on a négocié à 9. Donc en plus de mes enfants, j'ai en charge 9 neveux. Mais dis, mais j'aurais pu être 25, hein. Bon, donc c'est mieux. Mais tout ça, c'est la partie invisible de la société, et vous pouvez vous trouver, vous, en train de manager des équipes dans lesquelles il y a des gens qui vivent ça, et qui vous en disent jamais rien, parce qu'ils pensent que vous êtes incapable de comprendre ça. Alors, il faut faire un peu d'anthropologie, c'est toujours utile. Alors, de tout ça, maintenant, on a conçu un autre, il y a une autre idée supplémentaire qui s'est rajoutée à tout ça. Et vous voyez, petit à petit, je complique le tableau. Et encore une fois, on ne fait qu'une journée ensemble. Dans quelques semaines, je fais un séminaire de 3 jours avec un groupe là-dessus. Donc, on fait 18 heures. Donc, c'est moins caricatural et plus nuancé. Plus le séminaire est long, plus il est nuancé. Et plus il est court, plus il est caricatural. Je ne sais pas bien faire autrement. Donc vous êtes à une journée, c'est un moyen terme. Les sociétés ont compris qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus dramatique qui se cachait derrière tout ça. Parce que jusqu'à présent, on n'a parlé que d'une chose, c'est la diminution du nombre de filles dans un groupe, qui est perçue toujours comme étant dramatique, parce que si le nombre de filles diminue, la capacité du groupe à se reproduire diminue. Que ça nous plaise ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, c'est une loi purement biologique. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est quand le nombre de filles est divisé par 2. Et tous les groupes culturels ont depuis très longtemps fait la nuance entre diminution du nombre et division du nombre. Diminution, c'est dans un groupe où il y a 10 000 filles, on passe à 9 998. Là, c'est une diminution du nombre. C'est embêtant, c'est pas dramatique. Si par contre, en un instant, le nombre de filles dans le groupe passe de 10 000 à 5 000, ça, c'est dramatique. Parce qu'en étant divisé par 2, ben, il se peut que, et je vais parler d'un langage extrêmement trivial qui risque de vous gêner, le stock génétique soit devenu insuffisant et que le problème de consanguinité intervienne assez vite. Et de façon très empirique, l'humanité sait ça depuis très longtemps. Il faut qu'il y ait une diversité de filles suffisante pour qu'on ne soit pas miné par des problèmes d'ordre génétique. Avant même de connaître la génétique, les hommes avaient compris tout ça. Et quand je dis les hommes, encore une fois, c'est l'humanité. Donc il ne faut pas que les groupes se divisent. Du coup, nouer et entretenir des relations est plus important que tout. Ce qui nous permet de comprendre pourquoi plus on va vers les schémas de précarité, plus les gens accordent d'importance à la relation. Alors, vous avez probablement déjà commencé à voyager et vous avez fait vous-même plusieurs constats. Du genre, j'étais au Béloutchistan occidental cet été, qu'est-ce que les gens sont pauvres, hein ? Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont accueillants ? Alors, on peut faire ce constat une fois, deux fois, 10 fois, et après, à moins d'être complètement fou, on est bien obligé de se dire, il semblerait y avoir une corrélation entre les deux quand même. La corrélation, elle est là, elle est assez simple. Plus le sentiment de précarité est fort, plus les gens accordent d'importance à la relation sociale. Nouer et entretenir de relations est plus important que tout. Et quand je dis plus important que tout, c'est vraiment que tout. Il m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière de me trouver dans des situations si précaires que je me demandais si les gens avaient le temps de faire autre chose que de la relation sociale.
Et parfois, je dois dire qu'il m'est arrivé de répondre manifestement non. C'est-à-dire que ça envahit évidemment l'espace. L'espace quotidien, l'espace social est envahi par la sphère relationnelle qui prend un temps absolument fou. Nouer, entretenir une relation est plus important que tout. Alors, ce principe relationnel, il est poussé jusqu'au bout. Poussé jusqu'au bout, ça veut dire que poussé jusqu'à la réponse à la question existentielle. Quelle est la question existentielle ? Quelle est la question existentielle ? Qui suis-je ? C'est quoi ce truc-là ? On ne fait pas deux choses à la fois. Non, on ne fait pas deux choses à la fois. On fait une seule chose à la fois. Quelle est la question existentielle ? Ben évidemment, qui es-tu ? Et dans les schémas de précarité, à la question qui es-tu ? Comment faut-il répondre ? Vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez un peu roulé votre bosse. Comment on répond quand on est quelque part au fin fond de l'Asie ou de l'Amérique latine ou de l'Afrique à la question qui es-tu ? Comment faut-il répondre ? Je suis le fils d'eux, bien sûr. On va se trouver, mais ce système refuse absolument tout service, c'est quand même exaspérant. Et plus on est à gauche du tableau, plus à la question « qui êtes-vous ?», vous êtes sommé de répondre par l'appartenance à un groupe, par la naissance. Pas « j'appartiens au groupe Orange parce que je m'intéresse au téléphone ». Non. J'appartiens à telle famille, j'appartiens à tel village. Chez les Corses, c'est le village. Je suis du village de Sant'Antonino en Bologne. Ça marche. Mais il faut dire, pour exister aux yeux de son interlocuteur, il faut dire à la question qui est tue, j'appartiens à tel groupe par la naissance. C'est à peu près la seule façon d'exister dans les schémas de précarité. C'est la fameuse question à laquelle répondait Shakespeare, to be or not to be, être pris en considération ou ne pas être pris en considération. Ça ne pose pas de problème entre tous les gens qui sont à gauche du tableau. Qui êtes-vous ? Je suis le fils d'eux. Le problème vient du fait qu'il y a sur Terre des Martiens. Les Martiens, c'est les gens de la moitié droite du tableau, et notamment à l'extrême droite du tableau. Tous ces gens-là qui ont échafaudé une autre réponse à la question existentielle. Parce que leur but n'est pas la survie, n'est pas la reproduction, mais c'est le niveau de vie. Et du coup, on a échafaudé une réponse de type fonctionnel. Et à la question « qui êtes-vous ?», si vous êtes à droite du tableau, vous êtes sommé de répondre « je fais cela ». Et là, on a pour moi la plus grande différence culturelle dans le monde. C'est encore une fois pas les blancs, les noirs, ou les ingénieurs, ou les machins. Non, c'est ceux qui s'identifient par l'appartenance et ceux qui s'identifient par la fonction. Ça, c'est une vraie différence. Elle existe dans tous les pays du monde. Ce qui va distinguer les pays les uns des autres, c'est la proportion de la population, plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Nous sommes encore dans une société, pour combien de temps je ne sais pas, mais encore dans une société où la majeure partie de la population est à droite du tableau, avec de grands écarts, bien entendu. Et puis je passe une partie de ma vie dans des sociétés qui sont très nettement à gauche du tableau. Quand je dis dans des sociétés, ce n'est pas forcément loin. Quand je vais passer une journée dans un campement Rome, je suis à gauche du tableau. Hein. Ça peut être à 500 mètres d'ici. Mais que je sois dans un campement Rome ou que je sois dans un bidonville à Pointe-Noire, les comportements sont les mêmes. Hein. Les attentes sociologiques sont les mêmes. Et aux questions posées, les réponses attendues sont les mêmes. Donc, qui es-tu ? Je fais. Alors, ça vous donne de grandes tensions dans des équipes professionnelles. Si dans l'équipe, vous avez des gens qui sont sur tout le panorama, ce qui n'est pas rare du tout, alors il y a des difficultés très fortes qui naissent. Puisque celui qui est à droite du tableau peut poser une question très simple. Mais alors, qui es-tu ? Et celui qui est à gauche va répondre simplement qu'il est le fils d'eux. Mais ce n'est pas du tout ça qu'on attend.
Et de l'autre côté, celui qui est à gauche du tableau peut demander à l'autre qui es-tu. Et cet autre répond, moi je suis ingénieur chargé d'eux. J'ai dit, d'accord, mais à part ça, tu es qui ? Et là, chargé, chef de projet dans le truc, etc. D'accord, tu es chef de projet, on est bien d'accord. Mais tu es qui ? Et là, il y a un début d'incompréhension extrêmement fort qui peut miner la cohésion des équipes. Parce que l'attente de celui qui est à gauche du tableau, c'est l'être et le faire sont deux choses différentes. Quand je te demande qui es-tu, c'est pas que fais-tu. Mais ceux qui sont à droite du tableau ne savent plus faire la différence. Ils sont persuadés que l'être et le faire sont totalement confondus. Donc il va vous falloir être très très attentif à ça pour comprendre dans vos équipes quelles sont les attentes de vos interlocuteurs. Donc repérez à l'intérieur d'une équipe que vous managez qui se sent le plus à gauche du tableau, qui se sent le plus à droite, et adaptez votre mode de management à la diversité des collaborateurs qu'il y a dans cette équipe. Et plus vous êtes dans des sociétés de type international, plus c'est vrai. Vous pouvez avoir dans la même équipe des gens répartis sur tout l'axe et qui sont néanmoins, pour des raisons de stratégie d'entreprise, dans la même équipe. Et si vous adoptez un mode de management unique à tout le monde, vous êtes tranquille, vous partez au carton. Des questions là-dessus ? Ouh, ouais. Attends. Oui, on a une autre là. Dans une société où le contexte est plutôt à droite du tableau, comment ça s'exprime le côté gauche, enfin je suis le fils de l'appartenance à un groupe ? Non, justement, c'est là la grande difficulté. Surtout qu'il n'est pas rare que dans des cursus de formation, on vous explique que les données strictement professionnelles ne doivent pas rentrer dans l'entreprise. Alors c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entreprises françaises sont cantonnées à la moitié droite du tableau, parce que leurs cadres ont tellement été formatés sur une façon unique de penser, qui est celle de la moitié droite, que dès qu'on les en sort, ils sont complètement largués. Une très grosse entreprise énergétique française avait, il y a une vingtaine d'années, acheté 83 entreprises dans le monde, et beaucoup dans des pays de grande précarité. Et il m'avait demandé de les accompagner, pour accompagner le personnel, justement dans l'irruption de cette diversité à l'intérieur d'une société qui, elle-même, était tout à fait à droite du tableau. Je leur ai expliqué tout ça longuement, longuement. On a passé des jours, je faisais des séminaires d'une semaine avec eux pour essayer de leur dire, attendez, vous venez de racheter une société en Argentine qui fonctionne comme ça, et si vous ne connaissez pas ça, vous allez dans le carton. Et puis, ils ont à la fois essayé de comprendre par tous les moyens, et je voyais qu'ils avaient de la peine. Je leur ai dit assez vite, si vous ne changez pas de mode de management, vous allez devoir revendre toutes les entreprises qui sont à gauche du tableau. Ce qu'ils ont finalement fait. Ils ne sont pas arrivés. C'était un effort trop grand pour eux que d'intégrer dans le management de l'entreprise des gens situés à gauche du tableau. Ils ont revendu tout. Et ils se sont concentrés, alors ça s'appelait officiellement, se recentrer sur l'Europe. Mais personne n'était dupe. C'était l'incapacité de gérer des personnels étant vraiment à gauche du tableau. Il y a d'autres sociétés, pas françaises, qui le font mieux parce qu'ils sont moins attachés à un dogme d'une pensée unique. En France, l'un des drames par rapport à tout ça, c'est que, sans qu'on vous l'ait dit, il y a un ressort fondamental dans la pensée éducative en France, c'est le rôle tenu par le discours de la méthode, dans lequel, pour moi, le terme le plus important, c'est la méthode. On nous explique qu'il n'y en a qu'une. Et notamment quand on vous a fait faire des dissertations en première, est-ce que vous aviez le choix de la méthode ? Non. C'est comme ça qu'il faut présenter un raisonnement. Il y a une façon de penser. Et c'est la raison pour laquelle la France a beaucoup de peine à pénétrer des marchés très très différents du sien, parce que nous sommes formatés sur le discours de la méthode. Dans les pays où on est beaucoup moins univoque que ça, on admet beaucoup plus de façons de penser, alors on a moins de difficultés à s'adapter à l'autre. La question, c'était par là. Alors ma question, c'est plus sur l'aspect pratique management. Donc si j'ai bien suivi, vous conseillez donc de, face à une équipe en tant que manager, d'adapter son discours à chaque fois par rapport à chaque personne, s'il est donc plutôt à gauche ou plutôt à droite.
Et ma question, c'est donc, vous mettez combien de temps à détecter de quel côté une personne est ou n'est pas ? C'est-à-dire, est-ce que c'est au premier coup d'œil ou c'est plutôt en force de travailler, je ne sais pas, un mois, deux mois, un an ? Je pose cette question parce que souvent, une équipe, ben, y a beaucoup de changements, on est rarement avec les mêmes personnes pendant des années. Et donc, la méthode, elle est intéressante, mais si c'est quelque chose qu'il faut développer au bout d'un certain temps, je ne suis pas sûr que ce soit très utile en entreprise. Je vais te faire une réponse extrêmement simple. Ça va dépendre de l'intensité que tu y mets. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, il me paraissait relativement long de positionner l'interlocuteur. Jusqu'à ce que je trouve une méthode extrêmement simple, quand j'ai un groupe, j'explique en quelques minutes cet axe-là et je dis aux membres de le groupe, allez vous mettre là-dessus. Et les gens se positionnent eux-mêmes. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'idée que je m'en fais, c'est l'idée qu'eux s'en font. Donc il ne faut pas se compliquer la vie. Tu expliques en gros le graphique, ça ne demande pas très longtemps, une fois qu'on l'a bien intégré, hein, et tu dis aux 10, 15, 20, 30 personnes que tu as devant toi, maintenant vous allez vous mettre sur ce graphique selon vous. Et chaque fois que je l'ai fait, il n'y a jamais eu aucune contestation. Les gens se mettaient spontanément, plutôt à gauche, plutôt à droite. Ça me suffisait, puisque ce qui comptait, c'est la perception que les gens ont d'eux-mêmes, pas ma perception des choses. Et quelquefois, j'étais surpris de voir que quelqu'un se positionnait lui-même à l'extrême gauche du tableau, jusque par une fois qu'il s'y est mis, je discute un peu avec lui, puis je vais voir où elle ressort de cette raison. Et ça peut être de plein d'autres choses. Ça peut venir de l'environnement familial, ça peut venir de plein de raisons. Donc le plus simple, c'est de donner aux gens les moyens de se positionner sur cet axe. Après, ça va tout seul. Ah non, mais c'est pour ça que les positions ne sont que relatives. Donc si j'ai une seule personne, lui demander de se mettre là n'a aucun intérêt. Ils se positionnent les uns par rapport aux autres. Donc le milieu, je ne sais pas ce que c'est. Naïvement, je pense que nous sommes tous à la recherche du milieu idéal qui est la position, etc. Oui, 7 milliards d'êtres humains cherchent la situation la plus idéale. Et puis après, c'est des positionnements relatifs. Un tel est en plus grande sécurité que moi, un tel est en moins grande sécurité que moi. Du coup, si on est 3, moi je me mets à peu près au milieu. Mais si on est 12, 17, 32 ou 54, mon positionnement va un peu changer. Bien sûr. Bien sûr. Donc il faut faire confiance aux individus qui se positionnent les uns par rapport aux autres. Quand je fais ça dans les multinationales, c'est très très drôle. Parce que très très vite, vous voyez les choses se positionner à toute allure et sans la moindre contestation. D'autres choses ? Mais pour ça, comme pour plein de questions... Si vous l'avez totalement intériorisé et vous estimez que c'est un outil utile, une question d'estimation personnelle, hein, une fois que c'est intériorisé, ça marche tout seul. Hein. C'est comme faire du vélo, tu ne penses plus à ce que tu fais. Je m'étais amusé un jour comme ça, j'arrivais dans un pays dont je ne savais à peu près rien, et puis j'observe quelques éléments linguistiques la première. Et puis le premier matin, je discute avec une dame de ce pays-là, et puis à un moment, je l'arrête et je lui dis « Maintenant, vous êtes en train de penser que ça, ça et ça ». Elle me regarde avec les yeux, elle dit « C'est pas possible, comment vous êtes devenu ça ? Vous connaissez vachement bien la culture de notre pays, hein ? Vous êtes là depuis quand ?» Je dis « Je suis arrivé hier. » Et j'avais appris à travers quelques éléments de langue que les gens se sentaient à l'extrême gauche du tableau. Après, tirer le fil, ça va tout seul. Ils se sentent, et je n'ai pas essayé de contester. Parce que le risque, c'est de dire « Oui, non, mais ils se sentent à gauche, mais en fait, c'est pas vrai. » Je dis « C'est foutu, ça. C'est pas le sujet. » Ils se sentent à gauche du tableau. Donc, ils réagissent en fonction de ça. Tu peux ne pas être d'accord, mais ce n'est pas le problème. Ça ne sert à rien. Admettre les gens tels qu'ils se voient. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, ces deux éléments-là, je suis le fils d'eux et je fais, ne sont pas des éléments qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Et en réalité, ce n'est pas une société binaire. Donc on peut, et quelque part on doit, en tout cas on peut, imaginer les choses comme ça. Encore une fois, c'est un mode de représentation que je choisis. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je le choisis en disant, évidemment, qu'à l'extrême gauche du tableau, le système est quasi exclusivement relationnel. Et donc la conséquence, c'est que ça fonctionne très mal. Ben oui.
Si vous baladez à Brazzaville, vous allez bien voir qu'il y a plein de choses qui fonctionnent extrêmement mal. Et quand je dis Brazzaville, je cible personne. Hein. Je trouve simplement ces endroits que je connais. À l'extrême droite du tableau, ça fonctionne plutôt bien. Les trains, l'électricité, l'eau, on a l'électricité tout le temps, on a de l'eau au robinet tout le temps. Les trains, mis à part les périodes de grève, fonctionnent quand même plutôt bien, etc., etc. Mais les individus ressentent tous un sentiment de solitude dramatique. Ouais, bien sûr. Ça, c'est l'extrême droite du tableau. Ça fonctionne, mais le désert relationnel est attristant. Ouais. À l'extrême gauche du tableau, la relation est extrêmement intense, mais ça ne fonctionne pas. Et on revient sur le milieu. Ben, on est tous plus ou moins à la recherche d'un compromis supportable entre les deux. Quel niveau de relation sociale avant que ça devienne un poids ? Quel niveau de fonctionnalité avant que ça tue la relation sociale ? Tout ça, c'est les éternelles questions du genre humain. Depuis que l'Homo sapiens existe, il essaye de trouver entre ces deux le bon compromis. Alors, il faut bien voir que... il y avait une question. Il faut bien voir que ça met en jeu des choses très, très concrètes. Pas des plaisanteries. Un jour où j'étais dans un pays de grande précarité et je me balade dans la rue, dans une ville qui, à l'heure où je vous parle, doit comporter à peu près 7 millions d'habitants. Donc je me balade dans la rue selon les modalités locales. Autrement dit, je dis bonjour à tout le monde. Je dis bonjour à la dame qui vend des arachides au bord du trottoir. Je dis bonjour au gamin qui joue au foot. Je dis bonjour au flic qui fait semblant de faire la circulation au carrefour. Je fais un geste d'amitié à tout le monde, un sourire, un mot. Et je me promène dans la rue comme ça. On m'a bien dit que c'était dangereux, mais j'y vais. Et comme je dis bonjour à tout le monde, évidemment, il ne m'arrive rien. Parce que je dis bonjour à tout le monde. Au bout de 2 heures, où je me balade de nez au vent dans cette ville réputée dangereuse, j'entends un coup de klaxon et un copain m'attend le long du trottoir dans sa voiture. Et il me fait signe. Alors je vais le voir, je dis, mais dis donc bonjour, mais comment tu m'as trouvé ? Moi-même, je ne sais pas où je vais dans la ville. Je me balade nez au vent, comme je fais partout. Et puis, toi, tu arrives et tu m'appelles comme si on s'était donné rendez-vous. Tu m'as trouvé comment ? Il me dit, mais c'est très simple. Je suis passé à ton hôtel. On m'a dit que tu étais sorti vers 9h, que tu étais parti par la rue de la Reine Jinga. Tu montais sur Kinashish. J'ai demandé à 2 types en venant. On m'a dit que tu étais là. Oui, j'avais dit bonjour à tout le monde. Donc tout le monde m'avait vu. Donc on pouvait me retrouver. Ça, c'est quand je suis à l'extrême gauche du tableau. Après, je monte dans l'avion, je passe une nuit dans l'avion, j'atterris à Roissy-Charles-de-Gaulle, et ce jour-là, l'appareil atterrit correctement. Et directement, on passe de l'avion dans le RER, et je viens m'asseoir à côté d'une dame déjà assise là dans le RER, et je m'asseoir en disant « Bonjour, madame !» Elle se tourne vers moi, elle me dit « C'est vous !» Et je dis, non, mais je voulais juste vous dire bonjour. Elle me répond, on dit pas bonjour aux gens qu'on connaît pas. Je dis, on fait connaissance comment ? Et la dame se tire. Et je suis sûr qu'elle est rentrée chez elle en disant, je me suis fait agresser. Un inconnu lui a dit bonjour dans le métro. Les gens considèrent que c'est une agression. Mais le système fonctionne. C'est-à-dire qu'à Roissy-Charles-de-Gaulle, toutes les 300 secondes, vous avez un train qui part pour Paris. Sauf que le chauffeur du train n'est pas en train de vérifier si son neveu a bien pris le train. Parce que si le neveu n'a pas pris le train, il va l'attendre dans un monde relationnel. Et comme tout le monde attend sans arrêt le neveu, le train ne part jamais. Donc on est là dans des systèmes qui mettent en route des notions tout à fait fondamentales. C'est que... Lorsque ça fonctionne, ça a tendance à se faire au détriment de la relation sociale. Et la relation sociale elle-même se fait au détriment de la fonctionnalité. Je parle là des cas extrêmes. Nous sommes tous, et vous êtes dès à présent, chargés de trouver le bon compromis.
Comment est-ce qu'on garde de la relation sociale tout en gardant de la fonctionnalité? Et alors un jour, j'étais au Québec et je constate qu'au Québec, non seulement les trains partent à l'heure, tout va très bien, mais les gens continuent à se parler. Et donc je prends mes travaux et je les déchire rageusement en disant « il est donc possible de trouver un compromis qui fait que les trains partent à l'heure et que les gens continuent à se parler ». Les copains québécois, voyant mon geste de dépit, me disent « mais surtout pas, Claire, surtout pas. Ton travail nous a beaucoup aidés ». Je dis « enfin, écoutez, vous êtes un pays où ça fonctionne et vous continuez à vous parler. Selon moi, ce n'est pas possible ». Ils disent « oui, mais », me disent-ils, « t'es bien gentil, mais on est en juillet. Reviens donc en janvier. Tu verras qu'en janvier, c'est l'hiver qui commande. Hein. Donc, si on s'entend mal avec le voisin et que notre chaudière tombe en panne, on est mort, nous. Donc la précarité pour les Québécois, c'est l'hiver. Il n'y a pas écrit pauvreté, hein. Il y a écrit précarité. Et c'est eux-mêmes qui m'ont dit, mais non, ton boulot nous a extrêmement aidés. On comprend pourquoi l'hiver nous impose la relation sociale. On ne peut pas se permettre de se fâcher avec l'autre. Quand on est en panne au bord de la route au Québec au mois de janvier, on sait tous qu'on a 20 minutes de survie. Tout le monde le sait, donc la première bagnole qui passe, elle te prend. Parce que si elle ne te prend pas, tu es mort dans un quart d'heure. Donc tout le monde te prend. Vous êtes en panne à Évry au bord de National. Tout le monde sait que dans 20 minutes, vous serez encore vivant, donc personne ne vous prend. Non, bien sûr. Donc on a des mécanismes là qui reposent sur sentiment de précarité et sentiment de sécurité. Ça ne veut pas dire richesse et pauvreté. Il faut bien que vous voyez ça, hein. On a comme ça, par exemple, les Émirats arabes unis, aussi, qui sont intéressants, où on pourrait croire que tout le monde se sent en sécurité dans les Émirats arabes unis, qui est un exemple parmi d'autres. Quand vous regardez la structure démographique de ces pays, il y a combien de nationaux dans les Émirats arabes unis sur le territoire, des nationaux? Un peu moins de 20%. 80% d'étrangers. Précarité démographique. Si les étrangers s'en vont, les Émirats tombent dans 24 heures. Donc, sentiment de précarité, donc, statut homme-femme différent, donc, attachement aux traditions, etc., etc., etc. Ça ne veut pas dire riche ou pauvre. Hein. Sinon, j'aurais mis riche et pauvre là-bas. Hormis le fait que je ne sais pas très bien déduire qui est riche, puisque le riche, c'est toujours l'autre, celui qui est plus riche que moi. Regardez, écoutez, Carlos Ghosn, il vous expliquait qu'il n'est pas très bien payé, puisqu'il y en a d'autres qui sont mieux payés que lui. Pour un peu, il serait pauvre. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Alors, ça va nous entraîner vers quelque chose redoutable qu'on peut appeler tout simplement le détournement de fonds. Et en tant que manager, vous serez probablement confronté à des perspectives ou des hypothèses de détournement de fonds. J'ai mis longtemps à comprendre la relation qu'il y avait entre ça et le détournement de fonds. En réalité, quand vous regardez bien, à gauche du tableau, pour exister, il faut être le fils de quelqu'un. Ce qui veut dire que n'existent que ceux qui se définissent comme étant le fils de quelqu'un. Or, qui peut se définir comme étant le fils de quelqu'un? D'après vous, qui peut se définir comme étant le fils de quelqu'un? Allez, allez! Qui peut se définir comme étant le fils de quelqu'un? Une catégorie sociale que vous connaissez pourtant très bien, mais que vous n'avez pas du tout l'habitude de nommer. Non pour les cadres dirigeants. Non pour les rentiers. Uniquement les personnes physiques. Fait de chair et d'os, vous, moi, nous pouvons nous définir comme étant le fils de quelqu'un. Nous avons un père et une mère. Nous appartenons à une famille. Alors ça vous paraît bizarre, mais moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est toujours la confrontation entre des systèmes culturels différents. Pour bien comprendre la différence, et puis on fera une pause après parce que je sens que vous en avez un petit peu assez, parce que je veux bien comprendre. Quand on est dans les schémas de sécurité,
Pour exister, il faut faire. Ce qui veut dire qu'au passage, que ceux qui ne font pas ne sont pas pris en compte. Vous allez retrouver là la position très particulière dans les schémas de sécurité des chômeurs, des mères au foyer ou des retraités. Pas reconnus parce qu'ils ne font rien. Ce que disait ma mère, dit non, je ne fais rien à part élever mes 7 garçons, je ne fais rien du tout. Ce qui valait largement 2 emplois à temps complet. Et donc, pour exister, il faut faire. Qui fait ? Ben d'une part, les personnes physiques, à condition qu'elles travaillent, et je reviens sur ce que je dis sur les chômeurs, et ensuite ceux qui font sans être le fils de quelqu'un, puisque ça n'est pas nécessaire. Et on voit apparaître cette notion fondamentale dont on vous parle pas souvent, les personnes morales. Et donc, dans la moitié droite du tableau, une société est un agrégat compliqué de personnes physiques qui travaillent et de personnes morales. Ça s'appelle l'entreprise. Ça s'appelle l'État. Alors l'État existe parce qu'il fait quelque chose, si on est à droite du tableau. L'entreprise Orange, assurant des services téléphoniques, fait quelque chose, donc elle existe. Donc si on appartient à la moitié droite du tableau, on n'aura pas de peine à considérer qu'une société est un agrégat compliqué de personnes physiques et de personnes morales. Oui, les personnes morales font des choses, donc elles existent. Très bien. Et au passage, ça nous fait naître une chose fondamentale, la notion de règle, c'est-à-dire les injonctions des personnes morales. L'État dit que il faut payer ses impôts. L'État dit que il faut rouler à 80 km/h, il faut rouler à droite, etc., etc. Tout ça, c'est des règles édictées par une personne morale. Ça va marcher à condition que vous soyez, vous-même, d'accord avec l'idée que la personne morale existe. Mais c'est loin d'être général. Et dans toute société, il y a des gens qui sont plutôt à gauche du tableau. Et donc la personne morale, il ne voit pas très bien ce que c'est. Par contre, la personne physique, il voit très bien. Donc à gauche du tableau, tout le monde saura ce qu'est le président de la République. Mais les gens ne sauront pas tellement ce qu'est l'État. Confusion totale entre les deux. À droite du tableau, pas de confusion. On fait très bien la distinction entre l'État et le président de la République. On peut être pour ou contre le président de la République, ça n'a pas de répercussion directe sur ce que l'on pense de l'État, si on est à droite du tableau. Et il y a des pays complets qui fonctionnent sans aucun rapport à la règle, les injonctions des personnes morales. J'ai vécu comme ça un moment assez drôle, où je débarque dans un pays d'Europe, dont je savais à peu près une seule chose, c'est le plus pauvre d'Europe. Alors je débarque dans ce pays, je descends de l'avion, je suis accueilli par un type sympa, on monte dans la voiture, il m'emmène vers le centre-ville et l'avenue est surmontée par des calicots sur lesquels sont écrits des slogans dans la langue du pays. Alphabet latin, incompréhensible pour moi. Avec des associations de lettres tout à fait étonnantes, des DX, des choses comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette langue ? Donc il me vient à l'esprit mon slogan personnel favori, devant mon incapacité à lire ces slogans. Je dis, Michelon, toujours aussi con. C'est quand même pas possible, depuis le temps que je circule, on est en Europe, ils écrivent en alphabet latin, je sais pas de quoi il s'agit, du tout. Je ne comprends rien. Et sur le 6e calicot, j'ai la chance, j'arrive à déchiffrer un mot. Un seul coup de bol invraisemblable, j'arrive à lire le mot « initiativen ». Soudain, je viens d'apprendre plein de choses sur le pays. Mon avion a atterri depuis 10 minutes. C'est le seul mot que j'arrive à lire, « initiativen ». Qu'est-ce que ça m'apporte comme information ? D'après vous, ça m'apporte quoi comme information ? Allez, allez ! C'est le seul mot que j'arrive à lire.
Les autres, j'arrive même pas à les lire, tellement il y a des associations de lettres bizarres. Vas-y, vas-y. Non, je sais que c'est le seul mot que vous avez réussi à lire. Ça veut dire que eux, dans leur langue de base, ils n'avaient pas de mot pour initiative, ils en ont pris un autre. C'est comme ça que je travaille. Écoutez, regardez. Vous avez 80% des informations comme ça. Vous écoutez, vous regardez. Donc évidemment, comme c'est le seul mot que j'arrive à lire, j'en déduis qu'il vient de l'extérieur, que donc dans le lexique d'origine de cette langue, il n'y a pas ce mot-là. Si je n'ai pas le mot initiative dans le lexique local, il est probable que je suis où sur mon graphique ? À gauche du tableau. Après, je tire simplement des enseignements. Je dis donc, voilà ce qui va à peu près se passer, probablement, et je ne suis pas déçu. Parce que notamment, j'en déduis que le rapport à la règle risque d'être très ténu. Effectivement. Parce qu'on discute et le gars me dit, bonjour Claire, on est content de t'accueillir, je crois que tu vas pouvoir nous aider dans notre travail. C'était une ONG qui me faisait venir. D'ailleurs, me dit-il, tu arrives bien. À un moment étonnant, la ville est assez jolie, on vient d'inaugurer un nouveau mobilier urbain composé aux angles de rue de poteaux d'aluminium avec en haut des lampes qui changent de couleur. De temps en temps, c'est des lampes rouges. De temps en temps, elles sont vertes. Il y a des moments, elles sont oranges. Quelquefois, la nuit, ça clignote. On a pensé que c'était des décorations pour Noël, mais comme ça marche déjà, ça ne doit pas être ça. On ne sait pas du tout à quoi ça sert. Et il me les montre. C'est-à-dire qu'il passe tous les carrefours, pied à la planche, en montrant le nouveau mobilier urbain. Tiens, une rouge, une verte. Et le type me dit, on ne sait pas à quoi ça sert, mais il y en a partout. Et il passe tous les carrefours, pied à la planche, comme ça, indifférent aux couleurs des feux. Alors, au bout de 10 carrefours, moi, à chaque carrefour, je serre les fesses. Ils m'ont dit, on va se choper un truc. Et puis, il a une veine de pendu, ça se passe bien. Alors, au 10e carrefour, je dis au gars, vous savez, ailleurs, on a eu une idée assez générale, dont le principe est relativement simple. Quand la lampe est rouge, là, on s'arrête, on laisse passer les autres. C'est assez courant et ça marche plutôt bien. Et le type éclate de rire. Il dit, mais non, Claire, pas du tout. On peut parfaitement passer. Regarde. Et il passe. Donc là, j'en déduis que le type, en fait, il a très bien compris ce que je lui disais. Mais son problème, c'est, on a décidé que. Et dans son esprit, ce qu'il me disait, c'était, mais tu connais on, toi ? Pourquoi j'obéirais à on ? Je ne connais pas, je passe. Alors j'ai eu le lendemain matin la preuve que c'était bien ça. C'est que, après avoir fait ce premier constat, je suis réveillé le matin assez tôt, vers 5h30, par des coups de canon. Les types sont dans l'avenue du coin en train de discuter au canon de 105. Donc je devine que la situation politique est un peu tendue. Je remets à plus tard l'achat de croissants à la boulangerie du coin, parce que quand même, si ça discute à coups de canon, le climat est un peu incertain. Donc j'allume la télévision et on comprend très vite qu'il y a une tentative de coup d'État. Et le speaker dit simplement « Monsieur Sali Berisha a demandé à ses hommes d'aller s'emparer de tanks dans la caserne pour prendre le palais présidentiel d'assaut. » Monsieur Sali Berisha a dit à ses hommes. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils y vont. Parce que Monsieur Sali Berisha est très connu. C'est lui qui donne l'ordre. Alors ça, c'est un ordre. C'est des ordres qu'on donne à gauche du tableau. C'est pas des règles, c'est pas des lois. Donc, ils suivent les ordres de M. Sali Berisha, ils vont voler des tanks, ils attaquent le palais présidentiel, ils se font accueillir à coups de mitrailleuse et de lance-flammes, donc c'est une discussion politique un peu chaude, ça dure 3 jours, il y a un peu des cadavres dans les rues, on reste, on fait durer le petit déjeuner, on se passe de croissants, bon, on sortira plus tard, quand ça sera un peu calmé. Et puis ça s'est calmé au bout de 3 jours. Bon. Et j'avais là l'idée. On a décidé qu'il fallait s'arrêter au feu rouge. Allez vous faire voir. Personne ne respecte. Monsieur Sali Berisha vous demande de prendre le palais présidentiel d'assaut. On y va, c'est un ordre. Donc c'est l'identité de celui qui donne l'injonction qui va en donner la pertinence et la puissance.
Alors après, ça s'est terminé comment? Au bout de quelques jours, ça s'est calmé, on a ramassé les cadavres et tout, on a pu reprendre une vie à peu près normale. Et à ce moment-là, il y a un type qui vient nous offrir une bagnole, enfin nous vendre une voiture. Il vient voir l'ONG pour laquelle j'étais en mission, avec une idée simple. Écoutez, j'ai appris que vous n'aviez pas de voiture, moi j'en ai une à vous vendre, est-ce qu'elle vous va? Et il me présente une Mercedes 500. Bagnole dont je croyais quand j'étais gamin qu'on les appelait 500 parce qu'elle valait 500 000 francs. Quand j'étais gamin, c'était à peu près ça. Les Mercedes 300 valaient 300 000 francs et les 500, 500 000 francs. Donc je croyais que ça fonctionnait comme ça. Les bagnoles, j'y connais rien du tout et ça m'indiffère absolument. Donc le mec présente une espèce de Mercedes type Angela Merkel, si vous voulez, quoi. Et il me la présente. Je vois par exemple qu'elle est à peu près neuve. Encore le plastique sur les sièges, 5000 km au compteur. Je dis, mais c'est bien joli, c'est pas vraiment une voiture d'ONG, mais vous la vendriez combien? Et le gars me regarde un peu en dessous, il dit, oh, 50 000 francs, avec une tonalité qui voulait dire manifestement négociable. Hein, 50 000 francs, c'était la mise à prix. Alors moi je me dis, c'est une bagnole qui vaut à peu près 500 000, elle est neuve, il me la vend 50 000, on peut négocier, l'affaire se présente bien, quoi. Alors je continue l'inspection de la bagnole. Écoutez, bon, elle me paraît très bien, je vois que les pneus sont neufs, il n'y a pas une éraflure, c'est le dernier modèle, tout est impeccable. Vous me la vendez un dixième du prix neuf avec possibilité de négociation, c'est quand même pas mal. Mais, dis-je, quand je vois la plaque d'immatriculation, elle me va bien. Je ne vois rien à redire. Mais pourquoi est-ce qu'à côté, vous avez laissé le D? Parce que dans ce pays, le D, ça n'a aucune signification. Et je vois passer dans le regard du gars une ombre. Manifestement, le gars est en train de penser « Putain, qu'il est donc con !» C'est une des questions les plus stupides qu'on lui ait posées manifestement depuis longtemps. Pourquoi il avait laissé le dé? Et il me répond « Mais enfin, monsieur, c'est pour que vous sachiez où je l'ai volé. » Autrement dit, c'est la preuve de mon honnêteté. C'est une vraie Mercedes que je suis allé voler directement sur le parking de l'usine à Francfort. Donc, à qui je l'ai volé? À l'usine, c'est-à-dire à personne. C'est une personne morale. C'est pour ça qu'il n'a aucun scrupule à me le dire. Ça ne le gêne pas du tout. Il est allé récupérer une voiture sur le parking d'usine Mercedes. Il l'a amenée jusqu'ici sans accident. Il me la vend un dixième du prix neuf, on peut négocier. De quoi je me plains? Et il a laissé le certificat d'authenticité. Si vous voulez, le D, pour lui, c'est un certificat d'authenticité. C'est la traçabilité du produit. Ce n'est pas une vieille copie balkanique, un truc douteux venu, je ne sais pas comment. Hein. C'est une vraie Allemande. J'ai laissé le dé comme ça, c'est une vraie Allemande. Et donc, vous pouvez avoir confiance en moi. Si j'accuse ce type de malhonnêteté, tout est par terre. Il ne comprend pas de quoi il s'agit. Malhonnêteté de quoi? Je vous dis que je l'ai volé en Allemagne, c'est pas honnête, ça? Ça, c'est au cœur de l'Europe. Hein. Mais vous avez des pans entiers de l'humanité qui fonctionnent comme ça. À partir du moment où vous n'installez pas dans votre tête la notion de personne morale, alors la notion de règle est une notion extraordinairement floue. Ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, à l'échelon mondial, vous avez des pans entiers de l'humanité qui fonctionnent comme ça. Et je suis sûr que si je fais un cercle de 3 km autour de cet amphithéâtre, je vais trouver des micro-îlots de populations ici à Ivry qui fonctionnent comme ça. Je suis certain. Partout. Suivant que les gens se sentent à l'extrême gauche ou à l'extrême droite du tableau, ils ont un rapport à la règle complètement différent. Du coup, un rapport au bien public complètement différent, à la notion d'argent public très différent, et toutes les questions de type détournement de fonds prennent une ampleur absolument gigantesque dans ce contexte-là. Question là-dessus? Ça va, c'est clair? C'est l'heure de la pause, hein? Allez, un bon quart d'heure.
Ça va sinon ? En fait, vous reprenez le tableau, j'ai réussi à comprendre. Oui, bien sûr. Mais ça existe sur Internet. Je fais tout mettre sur Internet. Ce genre de distinction, ça me paraît très. Genre sur un axe, c'est toujours assez étonnant. Que c'est sur Mais si tu me donnes deuxième jour, c'est deuxième axe. Mais on va avoir le temps de le faire. J'ai tapé en avance, donc je vais pouvoir le citer le fait qu'on peut. Ça serait mieux d'avoir deux axes. Parce que les choses sont beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus compliquées que ça. Là, pour le moment, en une journée, je vous introduis à l'idée comment on peut penser autrement. C'est pas fait pour le management. À l'origine, la première trace, même pas. Moi, je ne suis pas anthropologue à l'origine, je suis agronome. Mais comme j'étais agronome dans l'humanitaire, on m'a demandé de former le successeur. Sauf qu'on m'en a collé qui partait dans 20 pays différents. Allez, démerde-toi. Inventer un système pour travailler sur le volontaire humanitaire qui a les uns en Amérique latine, les autres en Afrique, les troisièmes en Asie, etc. Et j'avais pas les outils. Je disais, non, on travaillait complètement et on continue à travailler pays par pays. C'est complètement cool. D'accord. Et je me demandais aussi, tout ce qui est en termes de rationalité, tout ça, est-ce que finalement, ça n'a pas lieu en gros l'apparition de la ratio occidentale qui a poussé vers le fonctionnel? Oui. Là, il y a. J'essaierai d'en dire un mot juste à la fin, si on a le temps. Il y a un rôle très très important lié à la généralisation de la nature interdictive qui a donné aux gens un aspect analytique. Pour moi, l'un des moteurs de notre situation actuelle, c'est la genèse. D'abord, l'invention de la genèse, c'est une chose, et surtout l'invention de la nature. Et puis, juste après l'invention de la nature, le premier bouquin qu'on a imprimé, le problème, c'est que du coup, les gens se sont mis à analyser la nature. C'est un modèle protestantisme. Ensuite, la Max Weber, l'éthique du protestantisme, l'esprit du capitalisme. Oui, donc c'est... Après le système, c'est probablement, moi je fais partie des gens qui disent que là, il y a eu un moteur fantastique. Alors, c'est un type qui s'appelle Paul Perroche, qui est mort, un historien belge, qui a travaillé spécifiquement là-dessus. Quel est le moteur qui fait que tu as créé le système majorité de gens se sont mis à contrôler les incertitudes par la capacité analytique et donc à basculer vers la droite du tableau et de ne plus faire comme leur père, etc. Ça s'emballe un peu. C'est probablement ça. Oui, une des causes. C'est multiple. Oui, toujours. Mais bon, voilà, pour moi, Luther, Gutenberg-Luther, c'est deux chevilles qui ont été. Parce que l'imprimerie a déjà été inventée par les Chinois à peu près 300 ans plus tôt. Mais c'est l'imprimerie d'une écriture qui n'est pas analytique. C'est le caractère. Ils sont analogiques. Donc ça n'a pas les mêmes effets dans le présent, dans la modification de ce que tu vas faire. C'est une façon de proposer, de penser autrement.
Bon, on va aller boire un petit chocolat.
quand je me dis. Ah, ok. C'est tes pères, en fait. C'est ça. Ok. Ok. Je suis amusé à faire côte à côte entre deux photos, on avait retrouvé, et mes frères avaient retrouvé dans une poubelle, et puis dans le groupe, et selon les distributions, en 1890. Et avec cette photo, je suis parti dans la montagne pour retrouver le point exact de la photo. J'avais la photo, sur la parade, elle était prise, c'est sympa à mettre à côté, j'avais les affaires, tout ça. Et j'ai demandé à mon gendre, j'ai dit, l'instant, voilà, tu reprends exactement la même chose, faire pas droit. Et puis on les met 100 ans d'écart, exactement 100 ans. Et quand tu vois à quel point de plus abandonnant, par entier, maintenant on ne sait plus que les fonds de fond, il y a 100 ans, on parle de très haut. Maintenant, c'est juste le fond de vallée et tout le reste c'est rendu l'extension de la forêt française depuis 100 ans et là, par exemple, c'est terminé. Et avec ça, les loups sont revenus parce que l'espace où ils sont Thank you.
Bien. Il nous reste en gros une heure. Je vais vous demander de vous libérer de vos chaînes numériques, ordinateurs et téléphones. Essayez de regagner un tout petit peu de liberté par rapport à ces boulets de la modernité que sont ces instruments et ces écrans.
Voilà, alors au fur et à mesure de la journée, bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions et à émettre des hypothèses, parce que ce qui est important, ce n'est pas du tout que vous repreniez ça. Ce qui est important, c'est que vous en sortiez l'idée qu'il est possible de se fabriquer des outils de lecture du monde, différents de ce qu'on a l'habitude de faire, différents de ce qu'on a pu vous proposer par ailleurs. Et chacun a la liberté de se refabriquer ses propres outils de lecture. Je voudrais tout à l'heure, dans la dernière demi-heure, vous en proposer encore un autre. Parce qu'il ne faut pas être esclave d'un outil de lecture, quel qu'il soit. Tous les outils ont leurs limites, ont leurs insuffisances, absolument tous. Et nous n'avons pas d'autre solution pour essayer d'appréhender le monde que de multiplier sans arrêt de nouveaux outils de lecture qui nous permettent de mieux comprendre comment fonctionne le monde, comment fonctionne l'humanité. Et ça reste un mystère parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas dans le fonctionnement de l'humanité. Il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas. On vient de passer un moment cet après-midi à faire un peu d'anthropologie assez basique sur les statuts hommes-femmes, sur la gestion du doute sur la paternité et les différents systèmes familiaux qui en résultent, sur également la place relative accordée par les hommes à la relation et à la fonction, sur l'idée que dans les schémas de précarité, pour exister aux yeux du groupe, il faut se définir en donnant le nom du groupe auquel on appartient par la naissance. Lorsqu'on est dans des schémas de sécurité pour exister, il faut se définir par la fonction, sinon votre interlocuteur va considérer que vous n'êtes pas, puisque vous ne faites pas. Et il y a eu, bien sûr, dans notre histoire, un très grand changement au cours des 30 glorieuses qui ont suivi les 30 années de la guerre, où en 1945, l'immense majorité des femmes ne travaillaient pas, et en 1980, l'immense majorité des femmes ont commencé à travailler. C'est un changement absolument radical, parce qu'elles ont bien senti que pour exister, il fallait faire. Et les 30 glorieuses, c'est évidemment l'apothéose de tout ça. Vous êtes obligés de faire pour exister aux yeux de vos interlocuteurs. Donc ça donne un activisme fou, débridé, qui est notamment à l'origine, bien sûr, de ces perturbations climatiques qui vont être votre pain quotidien et que vous allez devoir gérer au mieux. Ça ne va pas être de la tarte, mais ça sera de très loin le défi le plus gigantesque que l'humanité ait eu à relever depuis la nuit des temps. Comment limiter notre propre action pour récupérer un contrôle sur le climat? Tout le reste n'est que pezzouille et n'a pas beaucoup d'importance. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qu'on a vu? On a terminé par des choses un petit peu abstraites sur personne physique et personne morale, mais pour en arriver à une chose importante, quelles sont les conditions qui font qu'un groupe culturel est capable de reconnaître la règle? Et si le groupe se sent en précarité, son respect de la règle est extrêmement faible. S'il se sent en sécurité, son respect de la règle est beaucoup plus fort. Alors comment fonctionne une société où la plupart des gens se sentent en précarité? Ben vous êtes allé voir, je suppose, sinon je vous incite à aller le voir, le film Les Misérables, qui vous décrit très bien ça. Est-ce que certains sont allés voir le film Les Misérables? Non? Oui, quelques-uns? Une société où tout le monde est en précarité, le rapport à la règle, il est ce qui est décrit dans le film. Oui. Juste une petite question sur l'histoire de la voiture de la Mercedes. La question, du coup, c'est est-ce que vous l'avez achetée? Mais il y a une deuxième question après. Non, mais la question plus sérieuse, c'est si on se retrouve dans une situation comme ça où... à travers ces choses-là, on peut quelque part expliquer le comportement de la personne, on peut comprendre d'où il vient, pourquoi pour lui c'est normal, etc. Mais nous, nos valeurs, elles sont différentes, donc on a un regard probablement instinctivement critique sur la chose. Comment on agit dans la situation? Est-ce qu'on dénonce, etc. Tu es obligé d'agir en deux étapes. À mon sens, obligatoire, et les deux sont obligatoires. La première, c'est de comprendre l'interlocuteur pour être capable de t'adresser à lui de façon crédible. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc si tu as compris que le gars se sent en grande précarité, tu ne vas pas t'étonner
que son rapport à la règle soit assez fluctuant et que notamment les mesures de sécurité sur un chantier ne soient pas respectées. Le port des EPI n'est pas respecté, etc., etc. Tu vas savoir pourquoi. Et puis dans un deuxième temps, très vite derrière, il faut mettre en place le mode de management qui a comme effet de rassurer les gens. Donc le but de ton management, ça sera d'augmenter le sentiment de sécurité des collaborateurs si tu veux qu'ils respectent la règle. Mais il faut faire les deux. S'il n'y a pas le premier thème, tout ce que tu dis ne sert à rien. Si tu te contentes de dire il faut porter les EPI, il faut porter les EPI, équipement personnel, individuel, etc., équipement de protection individuelle, EPI, dans le monde industriel, c'est très courant. Si tu te contentes de seriner ça alors que tu t'adresses à des gens qui se sentent en précarité, tu perds ton temps. Et tu pourras faire appel à moi, je viendrai, je t'expliquerai tout ça. Mais si tu te contentes de le comprendre et que tu ne fais rien pour changer le sentiment de précarité, ça ne sert à rien non plus. Donc le bon manager dans ce système-là, et c'est un système qui est de plus en plus courant parce que le sentiment de précarité, il surgit partout maintenant, même dans des endroits où on pensait qu'il avait définitivement disparu. C'est pas vrai, il remet. Le bon manager, c'est le gars qui est capable de traiter les deux questions avec une vision claire des choses. Je ne juge pas le gars qui est en face parce que je sais pourquoi il fait comme ça. Et donc dans ton regard, il n'y a pas de jugement. Tu dis, bah, je sais, c'est parce que tu penses que, donc c'est normal. Maintenant, ensemble, on va mettre en place un mode de management dont l'effet, clairement dans ton esprit, c'est de pousser les gens vers un sentiment de sécurité. Ça veut dire quoi en termes de management? Ça veut dire que notamment la même question provoque toujours la même réponse. Il n'y a rien de pire dans ce genre de situation qu'un manager qui a une réponse mouvante, fluctuante, en fonction de l'interlocuteur. Parce que ça veut dire sa réponse est imprévisible. Si la réponse est imprévisible, ça fait naître quel sentiment chez ton interlocuteur? Hein? Non, précarité. Tu vois? La réponse imprévisible, c'est le sentiment de précarité. Tu renvoies les gens à gauche du tableau, donc tu diminues leur capacité à respecter la règle. Tu as tout perdu. Soit tu dis, non, attends, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Telle question, telle réponse. Elle est prévisible? Oui, elle est prévisible. Mais si la réponse à la question est prévisible, qu'est-ce que ça provoque chez le gars? Sentiment de sécurité. Donc tu les amènes vers la droite. Donc ça, en termes managériaux, c'est un truc absolument essentiel. Je vois qu'il y a une question là. Mais c'est un truc essentiel. Dites-vous bien que vous devez être quelqu'un de prévisible pour augmenter le sentiment de sécurité. Si vous êtes quelqu'un d'imprévisible, c'est terrible. Je pourrais longuement développer cette question sur le rapport des gamins avec la police dans les quartiers difficiles. Donc, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, c'est qu'il faut présenter une même réponse, on va dire, à une même question, quel que soit l'interlocuteur. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas du tout adapter le discours, quel que soit l'interlocuteur, dans ce cas-là ? C'est toute la différence entre... Bien sûr, c'est toute la différence entre réponse et discours. La réponse doit être prévisible. Mais toi, tu vas adapter la forme de la réponse pour qu'elle soit audible en fonction de là où est le gars. Alors, je disais, mais je vous en dirai un mot parce que c'est des choses essentielles. Il y a une époque, je travaillais beaucoup avec la gendarmerie nationale sur la prévention de la délinquance dans les quartiers. Le sujet des misérables. Hein. Il y a déjà plus de 20 ans, je travaillais avec la gendarmerie nationale pour monter des équipes chargées de faire la prévention de la délinquance dans les quartiers. Et entre autres, j'organisais des rendez-vous, des discussions entre la gendarmerie et les caïds de banlieue. Les chefs de bande, les dealers, les machins. Donc j'organisais des journées de travail. Dans une salle, il y avait 20 képis d'un côté et de l'autre, une demi-douzaine de loubards de quartier, chefs de bande, qui venaient parler avec les gendarmes. Inutile de vous dire que pour réussir à monter ça, c'était un sacré boulot. Il se trouve que je formais autant les gendarmes que les travailleurs sociaux, donc j'avais des relais dans les banlieues. J'étais probablement une des rares personnes en France qui était crédible des deux côtés. Et il fallait trouver des chefs de bande qui soient crédibles et qui ne se fassent pas flinguer parce qu'ils avaient parlé avec des flics. Donc il fallait monter très haut dans la hiérarchie. Parce qu'en bas, les mecs, ils se faisaient flinguer. Traite, t'as parlé avec des flics, etc.
Donc je montais tout ça. Et les gamins disaient très nettement aux gendarmes leur différence entre la police et la gendarmerie. Ils disaient, nous, on préfère de très loin la gendarmerie. Parce que la gendarmerie est complètement prévisible. D'abord, elle se montre pour pas qu'on fasse de conneries. La police se cache. Elle attend qu'on fasse une connerie et elle vient nous attraper. C'est idiot. S'ils se montraient, on ne ferait pas de conneries. C'est à la fois extrêmement naïf et d'une très grande sagesse. Et quand les gamins de banlieue disaient ça à la gendarmerie, évidemment estomaqués devant une analyse aussi fine, je leur disais toujours, vous savez, les gamins ont simplement compris la genèse des deux corps, gendarmerie et police. La gendarmerie est inventée par Louis XI pour sécuriser les voies de communication. La gendarmerie, dans son ADN initial, fait de la prévention. C'est pour ça qu'ils sont visibles. La police a été inventée fin 19e siècle, police urbaine, pour attraper les malfaiteurs. Donc, après. Et dans les façons de faire, vous continuez. La gendarmerie se montre pour faire de la prévention. La police se cache pour attraper les malandrins. Donc, évidemment, que les gamins préfèrent de très loin la gendarmerie. En plus, ils disaient toujours, quand on est pris par les gendarmes, on sait très bien ce qui va arriver. C'est toujours la même chose, hein. D'abord, c'est le même gendarme qui va nous suivre tout le temps. Ensuite, il va nous donner la règle, il ne va pas en changer. On a perdu, on va payer à la fin. Mais le gendarme va nous accompagner tout le temps et on sait d'avance ce qui va nous arriver et ça nous arrive. Avec la police, ça change tout le temps. Un beau jour, il nous chope parce qu'on a fait une connerie, il nous tape sur la gueule, il nous démonte la tronche. Un autre jour, ils arrivent avec un ballon de foot en disant « Est-ce que vous êtes d'accord pour jouer au foot ?» Le troisième jour, ils arrivent, ils nous piquent parce qu'on a piqué des jeans au supermarché, ils nous disent « Si t'as un 38 pour ma fille, tu peux garder les autres. » Alors c'est quoi la règle avec la police? Tous les gamins de banlieue savent ça. Hein. Tous. Et ils expliquaient ça à la gendarmerie, qui était évidemment estomaquée en disant « Mais vous avez une vision aussi claire que ça ?» Les gamins disaient « Enfin, on voit ça tous les jours, nous. » Avec la police, c'est complètement imprévisible. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, vous nous foutez des jetons, c'est vrai. Mais donc, on vit en précarité permanente. Dès que les gendarmes sont là, tout est cadré. On sait ce qui va se passer. Donc, on pousse les gamins. La gendarmerie pousse les gamins vers la droite du tableau. Avec succès ou pas, c'est un autre problème. La police pousse les gens vers la gauche du tableau. Et moi, j'étais navré quand un beau jour, on a décidé que la gendarmerie ne devait plus s'occuper en milieu urbain. J'ai dit, mais c'est exactement l'inverse qu'il faut faire, bon Dieu. Toutes les banlieues difficiles, il faut les filer à la gendarmerie. Ils sont 1000 fois plus efficaces que la police. De dire même des jeunes. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire une enquête pendant 6 mois. Vous demandez aux jeunes. Quand la gendarmerie est là, on ne fait pas de conneries. Ils se montrent. Ils sont toujours visibles, ils sont toujours là. Donc on ne va pas faire de conneries. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on retombe, et vous comprenez qu'à travers cet outil-là, j'ai pu travailler dans des secteurs, et je continue à travailler dans des secteurs extrêmement différents. Former les brigades de prévention de la délinquance juvénile de la gendarmerie, ça se fait avec ça. Hein. J'ai pas besoin d'autres outils. Former les cadres du ministère de l'écologie et du développement durable, ça se fait avec ça. J'ai pas besoin d'autres outils. Formez-vous, ça se fait avec ça. Avec le même outil, on peut faire des quantités de choses différentes. Et je vous en parlerai d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le fun, là, une petite question. Laurent Dufond, là. Allez. Oh, c'est des grands timides. C'est pour ça, les gens qui se mettent au fond, c'est toujours des grands timides. Hein. On sait, il faut aller quand même un peu les remuer, parce que sinon, ils vont rougir et tout. Allez, la bande de grands timides. Vous allez nous dire un peu une question pour le fun. Allez. Pour le fun, ouais. Vas-y. Ouais. Très bizarre. Les gens des tachos de viande, alors que je suis pas là. Pas ici ? Non plus ? Toujours pas. Bon. Alors maintenant, on va rentrer dans la dernière partie, évidemment, qui va nous permettre de regarder une autre sphère de l'actualité, que sont notamment ce que souvent la presse appelle les guerres tribales.
Avec ça, on comprend très bien comment fonctionne ce que l'on appelle les guerres tribales. Alors pour ça, et vous voyez qu'avec le même outil, on peut observer des échelons très très différents de l'actualité. On va regarder d'abord en un mot les structures. Je vous ai dit en un mot, on a tendance à fonctionner sur l'idée « tu feras comme ton père quand on est à gauche du tableau ». Oui, avec la soumission qui va avec. C'est-à-dire que ne nous leurrons pas dans les schémas de précarité, c'est pas la liberté de l'individu. D'ailleurs, si vous faites la somme entre « tu feras comme » et « je suis le fils d'eux », vous voyez bien qu'à gauche du tableau, c'est le « nous » qui prime. C'est-à-dire c'est une vision collective du monde. On est membre d'un groupe, c'est le groupe qui compte, l'individu n'existe pas. À droite du tableau, entre « tu feras mieux que » et « je suis ce que je fais », vous voyez bien que c'est le « je » qui domine. Une société de l'individu. L'individu roi, il n'y a que lui qui compte, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et le reste, je m'en fous. Et plus vous allez à droite du tableau, plus vous tombez sur une société de l'individualisme à outrance, qui nous fait prendre tous pour le nombril du monde, et tous être en accusation dès qu'on dit quelque chose de façon un peu globale, c'est une mise en accusation de soi, ça ne va pas du tout. Donc entre le « je » et le « nous », il y a évidemment une infinité de compromis entre les deux. Pour vous donner une petite idée, je ne sais pas si vous avez observé, l'année dernière, il y a eu un référendum sur l'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Vous avez un peu suivi ça quand même, vaguement ? Il se trouve que c'était le résultat de démarches politiques qui avaient été initiées par Rocard sur l'autodétermination du peuple Kanak il y a 30 ans. Et juste avant la signature des accords avec Rocard, on m'avait demandé de faire parler les deux communautés de Nouvelle-Calédonie, qui étaient les Kanaks, habitants traditionnels de la région, et puis les Caldoches, qui étaient les descendants des colons européens arrivés en Nouvelle-Calédonie. Et ils étaient à l'époque en une espèce de guerre civile, on se tuait beaucoup, ça marchait très mal. Et on m'avait demandé d'essayer de faire parler ces deux communautés, les unes avec les autres. On m'a dit, on va t'en envoyer 12 de chaque, tu les mets dans une salle et démerde-toi, t'as une journée, il faut qu'ils se parlent un peu. Alors j'avais les Kanaks et les Caldoches de part et d'autre d'une table. Et à un moment, entre autres multiples exercices que j'aurais fait faire, j'ai dit aux Kanaks, est-ce que vous pourriez dire aux Caldoches, comment dans votre langue, que je ne connais pas, je ne suis jamais allé en Nouvelle-Calédonie, comment dans votre langue vous dites, j'ai une chemise? On dit ça comment dans les langues kanaks? Et les kanaks se regardent, ils ne parlaient pas les mêmes langues, il y en a une infinité. Alors ils dialoguent pendant un moment. Au bout de 5 minutes, le porte-parole se tourne vers moi et dit « Claire, on a un énorme problème. » « Ah bon ?» Je dis « Lequel ?»« Aucun d'entre nous ne peut dire « j'ai une chemise » dans nos langues. » « Ah bon ?» Je dis « Alors vous dites comment ?» On est obligé de dire « nous avons une chemise. » Parce que dans nos langues, tous les verbes de possession ne se conjuguent qu'au pluriel. Et vous aviez en face les Caldoches, installés depuis 5 générations en Nouvelle-Calédonie, qui n'avaient jamais percuté ça. Je dis, mais vous foutez quoi depuis 5 générations? Vous n'êtes jamais rendu compte que chez les Kanaks, la propriété est toujours collective, jamais individuelle. Rien que ça fout le feu dans une société. Entre les partisans de la propriété individuelle et les partisans de la propriété collective, il y a de quoi foutre le feu. Lorsque tout le monde en est conscient, on arrive à se parler. On arrive à imaginer des choses. Mais c'est ça qui est en jeu chaque fois. Alors, l'allégeance relationnelle, ben, c'est cette idée de soumission aux puissants de ce monde. Et un ami, un jour, me raconte une belle histoire, la sienne. Il commence à me dire, tu sais, je me suis installé comme expert comptable dans la capitale de mon pays. Les choses marchent bien. Et du coup, j'ai acheté un petit lopin de terre à la sortie de la ville pour construire une maison pour ma femme et ma fille. Très bien. Il dit, le problème, c'est qu'en voyant cela, les gens de mon village en ont déduit que j'étais riche. Ils m'ont donc envoyé 4 petits frères à loger, nourrir et scolariser. Il dit, oui, alors, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, mais la maison n'était pas prévue pour eux. Hein. Donc j'ai été obligé d'accepter parce que c'est mon père qui les a envoyés dans mon groupe. Quand le père m'envoie, il dit, je peux pas, c'est pas possible, hein. Donc j'ai accepté, mais comme la maison n'était pas assez grande pour les 4, j'ai dû agrandir la maison. Voyant cela, les gens de mon village ont déduit que j'étais beaucoup plus riche que prévu. Ils m'ont donc envoyé 8 petits-neveux à nourrir et scolariser. Et alors, qu'est-ce que tu as fait?
J'ai pas pu refuser, alors j'ai accepté, mais le premier agrandissement, c'était pour les 4 premiers, pas pour les 8. Donc j'ai dû encore agrandir la maison, alors les gens de mon village en ont déduit que j'étais encore plus riche que prévu. J'étais arrivé jusqu'où ? 30 personnes matin, midi et soir. Je nourris tous les jours 30 personnes. Et me dit-il, tu comprends bien que mon salaire d'expert comptable suffit pas. J'ai dit, oui, alors t'as fait quoi ? Ah ben mes copains m'ont tous dit de faire comme tout le monde. C'est quoi faire comme tout le monde ? Piquer dans la caisse d'entreprise. Et il m'a dit, tu comprends pourquoi dans nos pays, nos entreprises périclitent ? Parce qu'on se sent tous obligés de piquer dans la caisse. Et toi, tu as piqué dans la caisse ? Ah, il dit, ah non. Parce que si je pique dans la caisse, mon entreprise se casse la gueule. Si elle casse la gueule, je reste en précarité. Donc si je veux sortir de la précarité, il faut que je cesse de redistribuer. Ça ne m'a pas fait plaisir d'entendre ça. Hein. Mais c'est quand même ça qu'il m'a dit. Il dit, oui, alors finalement, t'as fait quoi ? Puisque je n'ai pas voulu piquer dans la caisse, j'ai renvoyé tout le monde. Foutez-moi le camp. Rentrez au village, dégagez la piste. Puis j'ai vendu ma maison. J'ai loué le plus petit de pièces que j'ai pu trouver dans la ville. Un truc construit par les branches que tu ouvres la porte d'entrée, elle cogne sur le mur du fond. Parce que quand les gens de mon village viennent me voir dans ce nouvel appartement, ils voient bien que je ne peux pas héberger quelqu'un. Il a cette phrase magnifique, il me dit, tu sais, j'ai une beaucoup trop grande famille pour avoir une grande maison. J'ai dit, alors maintenant, t'en es où ? Je dis, écoute, je suis persona non grata, je ne peux pas rentrer au village. Je n'ai pas joué le jeu. Mes parents sont en train de crever de solitude au village parce qu'ils n'ont pas réussi à me faire jouer le jeu. On m'a empoisonné ma femme, j'ai toutes les peines du monde à la sauver. Mais le cabinet d'expertise marche bien. Donc il a déplacé son compromis vers le fonctionnel au détriment du relationnel. Et alors un jour, j'étais dans un de ces pays, et j'en tirais une conclusion simple. Je disais au gars, donc si vous êtes d'accord, on pourrait dire que vos obligations relationnelles sont indexées sur le carré de votre revenu. Donc chaque fois que votre revenu augmente un peu, vos obligations sociales augmentent beaucoup. Et les gars, ils disent, non, pas du tout. Pas du tout, Claire. C'est pas le carré, c'est le cube. Autrement dit, ça augmente 3 fois plus que le revenu. Ce qui va avoir un effet redoutable, c'est que les gens ne vont pas chercher les promotions. Et si un jour vous êtes chargé du management d'équipe avec des gens qui sont dans ce cadre-là, sachez qu'ils ne voient pas la promotion comme nous la voyons. Parce que plus 10% de revenus, mais plus 20 personnes à table tous les jours, il faut vite faire le ratio, hein. Ça vaut le coup ou pas ? Et on voit de temps en temps, moins maintenant, mais j'ai vu dans ma carrière, des gens refuser les promotions pour ne pas avoir une augmentation gigantesque des obligations sociales. Alors je vous signale que j'ai travaillé parfois avec des managers sur comment valoriser les compétences locales d'une façon telle que socialement, ça reste invisible. Et je me vois sur un coin de table avec un manager faire des hypothèses. Et il y en a une qui a bien fonctionné, qui était de dire, bon, le gars, on va le changer de statut parce qu'il est vraiment très bon. On va en faire un chef d'équipe, on va en faire ceci, cela. Il va monter d'un cran, mais on ne va pas toucher son salaire mensuel. Pour qu'il puisse, chaque fois qu'il y a une demande, dire, mais tu as été augmenté, toi. Il puisse sortir sa feuille de salaire en disant, regardez, pas de changement. Parce qu'il y a quelque chose qui ne figure pas sur la fiche de salaire. C'est combien de mois vous êtes payé par an. Et donc le gars, au lieu de payer 13 mois, il va être payé 14 mois, 15 mois, 16 mois, mais la fiche de salaire, elle ne bouge pas. Et donc ça rend les promotions invisibles socialement pour que l'individu puisse profiter de son investissement dans le travail et de ses compétences et qu'il puisse monter, qu'il puisse faire tourner la boîte. Il faut la rendre invisible. Il y a un autre moment, j'ai vu d'autres entreprises rémunérer comme ça des promotions sous forme de stage à l'étranger. Mensuellement, le salaire ne bougeait pas. Mais le type, il passait 3 mois par an
à se former ici, aux États-Unis, en Angleterre, etc. C'est-à-dire, là, on a besoin de faire un management inventif pour éviter que des cadres parfaitement compétents, et il y en a plein, et il y en a de plus en plus, bien sûr, soient pas intégralement bouffés par la pression sociale de leur groupe d'origine qui est derrière à l'affût pour essayer de voir comment est-ce qu'il peut profiter de ce surcroît de rémunération. Manager, dans ces conditions-là, c'est passionnant, mais ça nécessite un peu d'astuce. Ça va jusque-là ? C'est clair ce que je vous raconte ? Ouais ? Alors maintenant, quand on fait le bilan de la moitié gauche du tableau, on s'aperçoit qu'un groupe social peut se faire représenter comme étant une pyramide, la pyramide des âges, pour se faire une représentation, une image mentale, disons qu'en gros, ça représente peu ou prou l'histoire d'un village. Mais c'est une représentation symbolique. Hein. Avec un pouvoir très fort, oui, celui qui est en haut de la pyramide sociale, dans les schémas d'autorité, il y a toujours un pouvoir fort. Une autorité plutôt qui a un pouvoir très grand et qui peut récupérer des moyens par le jeu de la redistribution de façon à assumer ses devoirs sociaux. Et au premier rang de ses devoirs sociaux, dans les schémas de précarité, il y a une obligation pour l'autorité, c'est la survie de l'individu. D'ailleurs, de façon extrêmement symbolique, il y a un auteur qui avait décrit ça de façon formidable, qui s'appelle Amin Maalouf, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Rocher de Tanios, il y a déjà plus de 20 ans, et qui explique ça, ce que je suis en train de vous dire. Les schémas d'autorité dans les situations de précarité, avec une autorité très forte qui a un pouvoir très grand pour récupérer des moyens afin d'assumer ses devoirs sociaux, la survie de chacun. C'est un Libanais d'origine, maintenant s'il est nationalité française, il est à l'Académie française, mais c'est un Libanais d'origine. Et il décrit très bien les systèmes de protection au Liban, si ça vous dit quelque chose. Il décrit ça très très bien. Et aujourd'hui, on peut relire Amin Maalouf, qui a 25 ans, sur la protection qu'offrent les villages libanais. C'est d'une assez grande actualité. Et donc, tout ce système-là repose sur une idée très simple. D'abord, on n'a rien à foutre de la façon dont l'autorité accède au pouvoir. Ce n'est pas un sujet. On regarde simplement si l'autorité protège bien. Si l'autorité protège si bien que personne ne meurt de faim, alors c'est une autorité légitime. Qu'elle soit là par coup d'État ou autre, on n'en a rien à secouer. Ce n'est pas le sujet. Et ça repose sur une équivalence, un équilibre entre devoirs et moyens. Il faut qu'il y ait suffisamment de moyens pour que la redistribution aboutisse à ce que personne ne meure de faim. Tant que les systèmes sont à croissance démographique lente, pas de problème. Le problème naît lorsque le système accède à une croissance démographique rapide. Ça, c'est une histoire qui se développe entre 1920 et 1940. Envoie des premiers volontaires de l'humanitaire européen partout dans le monde pour faire baisser les taux de mortalité infantile. On y arrive avec une rapidité, une efficacité fantastique. En 20 ans, les Schweitzer, Jameau et autres premiers toubibs précurseurs de l'humanitaire divisent par deux les taux de mortalité infantile dans tous les pays où ils sont implantés. On ne dira jamais à quel point ils ont fait un boulot fantastique. Mais comme ils ne s'occupent pas d'agriculture, il y a de plus en plus d'enfants qui survivent pour des ressources agricoles qui restent stagnantes. Donc la ressource agricole par individu diminue. Donc le sentiment de précarité augmente et donc le taux de natalité augmente. Et c'est ça l'explosion démographique. Donc après, il a fallu trouver un moyen pour rééquilibrer tout ça. Le premier moyen, c'est de transformer le plus vite possible les enfants en moyens. Ça s'appelle le travail des enfants. Donc une des premières conséquences de l'envoi des premiers volontaires de l'humanitaire, c'est l'abaissement de l'âge de la mise au travail des enfants. Qu'on ne nous dise pas qu'ils ne servent à rien. Alors après, on peut défiler dans la rue en disant non au travail des enfants. Je dis, s'il vous plaît, les gars, un peu de décence. Et puis comme ça ne suffit pas, les groupes sociaux ont commencé à chercher à l'extérieur les moyens d'assurer leur propre survie. Alors l'extérieur, c'est quoi ?
toujours pas marché, ce système. L'extérieur, bah, c'est le village d'à côté, dans un premier temps. Ils n'ont pas assez de moyens, alors ils vont chercher dans le village d'à côté, chez le voisin. Mais le voisin est probablement dans quelle situation ? La même. Et donc le voisin devient ce que j'appelle un gisement de moyens très faible. En plus, ça appartient à qui ? Quand vous demandez au voisin qui êtes-vous, comment est-ce qu'il répond, le voisin ? Bah, je suis le fils d'eux. Donc c'est quelqu'un. Alors le voisin, c'est un gisement de moyens très faible appartenant à quelqu'un. Dans le monde entier, si on a le choix, on fout la paix à ce voisin-là. Il n'a pas beaucoup de moyens et ils appartiennent à quelqu'un. Surtout si on trouve juste au-delà un gisement de moyens fort n'appartenant à personne. C'est quand même vachement mieux, non ? Et l'humanité, dans son intégralité, développe toujours la même stratégie. J'ai trouvé au-delà du voisin un gisement de moyens beaucoup plus important que le village, mais qui appartient à une entité qui, lorsqu'on lui pose la question « Qui es-tu ?», répond « Je fais. » Ah. Alors ça devient ce que j'appelle un gisement de moyens réel n'appartenant à personne. Ça s'appelle l'État. Et donc les peuples pillent leur propre État. Détournement, corruption, détournement de fonds publics à des niveaux absolument vertigineux. Vous avez des États dans le monde dont on peut estimer sans se tromper que 85% du budget national est détourné. 85%. Il ne reste que 15% du budget. Souvent, il n'est déjà pas élevé le budget à l'origine, car en plus, il y a 85% qui est détourné et qui redémarre sur des comptes en Suisse. Ça, c'est un gisement de biens réels n'appartenant à personne, parce que l'État n'est pas. Alors pour mesurer ça, j'utilise un outil extrêmement simple. Je regarde le mot que les gens utilisent dans leur langue pour désigner l'État. Vous avez vu depuis ce matin que j'utilise des outils extrêmement simples que tout le monde peut utiliser. Hein. Pas besoin de faire 15 ans d'anthropologie. Je demande aux gens comment vous appelez l'État dans votre langue. Alors, je régulièrement travaille au Maroc. Et les Marocains me disent, ben, l'État chez nous, c'est Marzen. Marzen, c'est la racine arabe du mot magasin. Entrepôt. C'est ça, l'État. Donc, quand on prend à l'État, on prend à qui ? À personne. Les détournements de fonds publics sont gigantesques. En Mauritanie, je demande aux paysans comment vous appelez l'État. Ils me disent, Beit El Mel. Beit El Mel, ça veut dire la chambre des richesses. Très bien. Au Congo, je demande aux gens, avec les agriculteurs avec qui je travaille, vous dites comment l'État entre vous quand je ne suis pas là ? Ah, dans notre langue, on dit Boula Matari. Boula Matari, le rocher sous lequel est caché le trésor. Je dis très bien, je n'ai pas besoin de faire d'études supplémentaires. Hein. Si vous considérez que l'État, c'est le rocher sous lequel est caché le trésor. C'est... On connaît bien la genèse en plus de ce mot-là. Hein. Quand l'État français arrive et impose aux gens de casser des cailloux pour construire une ligne de chemin de fer, sans demander l'avis à personne. Alors évidemment, il en sort cette idée, le rocher sous lequel est caché le trésor. En français, on a pris exact opposé. Pour désigner cette entité, on a pris le substantif du verbe être. État. L'État plus fort que tout, l'État. Et lorsque vous avez un face-à-face entre quelqu'un qui pense que l'État, c'est État, et l'autre, c'est Boula Matari, il est vain de croire que les deux ont la même vision de l'État. C'est complètement farfelu. Et l'État n'est pas la seule entité qui correspond à cette définition. Vous avez une autre entité qui va vous concerner de très près, qui s'appelle tout simplement l'entreprise. Cette autre personne morale qui en plus a une forme juridique assez amusante. En général, c'est une société anonyme. C'est donc bien qu'elle n'appartient à personne. Donc on peut la piller. Et les entreprises se font piller. Parce que ce sont des personnes morales installées dans un contexte où la personne morale n'existe pas. Donc les biens de l'entreprise font l'objet d'une prédation absolument gigantesque. Et puis il y en a une troisième qui n'est que la cerise sur le gâteau, mais qui est assez amusante. Ça s'appelle les ONG. Qui, avec une constance pathétique, se donnent des noms fonctionnels. J'ai beaucoup travaillé pour Médecins Sans Frontières et je leur ai toujours dit, mais tant que vous appellerez Médecins Sans Frontières, vous serez une non-identité.
Donc vos biens n'appartiennent à personne. Donc vous vous ferez piller. Parce que les gars se lèvent les bras au ciel. Ils disent, bon, on vient aider des gens et c'est eux qui nous pillent. Je dis, mais attendez. Regardez le nom que vous avez un nom purement fonctionnel. Dans un monde où ce qui fait l'être, c'est l'appartenance à un groupe physique par la naissance. Alors certains d'entre eux, et j'en ai incité plusieurs, changent de nom localement. Ils ont un petit nom très très relationnel. Il y a une petite association comme ça qui s'appelait les Amis de Maurice Collat. Très bien. Et je leur disais toujours, mais regardez quand même, le père spiritain qui est installé là depuis 40 ans, qu'est-ce qu'il a écrit sur la porte de sa Land Rover ? Vous croyez qu'il a écrit paroisse machin ? Il a écrit Père Joseph. Il n'est pas fou. Père Joseph. Donc la voiture, elle appartient à quelqu'un. Donc on ne lui vole pas. Alors que si vous écrivez Médecins sans frontières, la voiture n'appartient à personne. Donc on vous la pique. Alors ensuite, ben, y en a évidemment qui ont maintenant modifié tout ça. On a trouvé des subterfuges. On a trouvé que ce n'était pas forcément utile d'avoir tous des Land Rover qui valent 150 ans de revenus local et qu'on peut travailler avec une mobilette, etc., etc. Les Indiens nous ont appris plein de choses sur la nécessité de l'humilité pour les volontaires de l'humanitaire. Maintenant, tout ceci peut vous paraître tout à fait scandaleux, mais ça a un avantage. C'est que tant que le groupe s'en prend à ces personnes morales, à qui est-ce qu'ils foutent la paix ? Aux voisins. Parce qu'imaginez, par exemple, qu'un beau jour, tu achètes un missile sol-air de marque russe au marché. Hein, c'est après tout. Il y a un bon missile solaire de marque russe vendu au marché, c'est ton beau-frère qui le vend, il n'a pas le bon de garantie, mais il y a le numéro de série. Et les missiles solaires russes, ils sont pas mauvais, hein, on a bien vu ça en Iran il y a 3 jours, ils marchent assez bien quand même. Donc tu le ramènes chez toi, puis tu le nettoies dans ton jardin pour le mettre sur la cheminée du salon, parce qu'un missile solaire sur la cheminée du salon, honnêtement, en termes de déco, c'est un peu kitsch, mais bon, question de choix, hein. Mais en nettoyant le missile, tu fais un faux mouvement, le missile est parti. Au moment où passe un avion plein de chefs d'État. C'est quand même dommage. Et comme le missile marche très bien, l'avion plein de chefs d'État marche quand même beaucoup plus mal. Donc l'avion plein de chefs d'État s'écrase. Si c'est le chef d'État qui disparaît dans un contexte de précarité, dans la tête des gens, qu'est-ce qui disparaît ? L'État. Puisqu'on ne connaît que le chef d'État. Alors comme les États ont disparu, le lendemain, on s'en prend aux voisins. Et les Hutus s'en prennent aux Tutsis. Ça s'appelle une guerre tribale. Mais si vous êtes en Yougoslavie, que l'État yougoslave s'effondre, le lendemain, les Serbes s'en prennent aux Croates. Mais comme c'est en Europe, on va appeler ça un conflit de nationalité. On trouve toujours des mots pour éviter de croire que les mécanismes sont les mêmes partout. Et puis si ça se passe à Évry, et que dans le quartier des pyramides, on a foutu un boxon terrible, et que du coup, le quartier des pyramides s'en prend au Tartaret. Ça va s'appeler des violences urbaines. Mais c'est la même chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous mettez une masse de gens en précarité au même endroit, et vous supprimez toutes les personnes morales qui interviennent. Alors le groupe A s'en prend au groupe B. Et c'est inutile d'inventer 3 mots différents, guerre tribale si on est en Afrique, conflit de nationalité si on est en Europe, et violence urbaine si on est à Évry. Plaisanterie, c'est tout la même chose. Donc ça vous permet de comprendre que des violences se développent comme ça, mais de façon, j'allais dire, désespérément prévisible. Et vous comprenez aussi pourquoi, par exemple, l'État français aujourd'hui, très conscient de tout ça, soutient comme elle peut des régimes aussi pourris que ceux de République démocratique du Congo. Parce qu'en haut lieu, on sait très bien que le jour où on ne les soutient pas, le jour où ils tombent, il va se passer la même chose qu'au Rwanda, mais pas dans un pays de 5 millions d'habitants, dans un pays de 80 millions d'habitants. Ça ne fera pas 800 000 morts, mais 10 millions. Alors, tant pis, on continue à poursuivre, à soutenir le satrape qui est quelque part à Kinshasa, à piller son pays. Mais c'est ça ou 10 millions de morts ? Et on ne sait pas très bien gérer l'entre-deux.
On a essayé, au Mali à l'heure actuelle, on essaye. Ça donne des résultats compliqués, indéfinis dans le temps. Personne ne veut savoir comment ça va tourner. Et donc, il n'y a pas que des analphabètes dans tous les gouvernements, loin s'en faut. Et t'as des gens qui savent tout ça et disent, on fait quoi les mecs? On le laisse tomber ou on évite une guerre civile de 10 ans qui fait 10 millions de morts? C'est quoi? Problème. Compliqué. Et je vous garderai bien de donner des leçons à qui que ce soit sur ce sujet. Des questions là-dessus? Alors, j'insiste beaucoup et je suis probablement un des rares intervenants qui vous demande de bien voir la distinction entre une personne physique et une personne morale. C'est une notion absolument capitale si vous voulez comprendre le rapport à la règle que les gens ont. Lorsque vous avez une masse de population où la majeure partie des gens sont sur la moitié droite du tableau, alors d'une façon générale, la règle est plutôt respectée. Lorsque la majeure partie des gens sont à gauche du tableau, alors il y a une espèce de distance à la règle extrêmement forte, ce qui ne veut absolument pas dire que les gens en précarité soient moins honnêtes que les gens en sécurité. Ça n'a rien à voir avec de l'honnêteté, hein. C'est la perception du monde et la réalité de cette abstraction fantastique qui s'appelle une personne morale. Et nous travaillons avec quelques-uns sur quelles sont les méthodologies qui font naître le concept de personne morale dans un groupe. Figurez-vous que la réponse n'est pas simple. On n'est pas sûr de savoir faire. On sait comment nous on l'a fait. On sait comment au XVIIe et XVIIIe siècle, en Europe et notamment en France, on a travaillé sur ce sujet pour faire naître la notion de personne morale. Pour faire naître l'idée que l'État existait indépendamment du chef de l'État. On sait comment on l'a fait, ça nous a pris 200 ans en France. Comment le faire naître volontairement dans d'autres pays à marche forcée? Pour le moment, sur le continent africain, c'est le Sénégal qui le fait le mieux. Le Sénégal a été dirigé pendant très longtemps par des gens extraordinairement cultivés qui savaient évidemment tout ça et qui se sont débrouillés pour faire naître le sentiment de sécurité chez les Sénégalais. Ils n'en ont bien sûr jamais parlé, parce que c'est le genre de choses que l'on obtient à condition de ne jamais en parler. Mais ils le font. Et les autorités sénégalaises sont exceptionnelles par leur capacité, alors que le régime a déjà changé plusieurs fois, à travailler là-dessus. Il faut que notre population soit petit à petit convaincue que la personne morale est une notion utile à l'état de droit. Et tant que la population n'a pas compris ce qu'était une personne morale, qui est une abstraction totale, hein, montrez-moi l'État, vous serez bien en peine de le faire. Mais tant que la population n'a pas compris ce qu'était une personne morale, son respect de la règle est extrêmement ténu, aléatoire et soumis à des tas de pressions diverses. C'est ça les fondements de l'État de droit. Donc c'est ça les fondements de la règle. Et sachez que c'est un problème d'une extrême complexité et nous sommes très peu en France à travailler là-dessus. Juste là-dessus. J'ai des tas de débats avec des juristes de droit public qui me parlent toujours de tel ou tel projet de nouvelle constitution. Je leur dis toujours, mais si votre population ne sait pas ce que c'est qu'une personne morale, votre constitution, vous pouvez vous la mettre où je pense. Elle ne sera pas respectée. Il ne s'agit pas de mettre une chambre de plus ou un député de moins. Ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas de personne morale à la tête des gens. Donc la constitution ne vaut rien. Elle ne sera pas appliquée. Alors maintenant, au Sénégal, on y arrive. Des pays comme le Bénin, K1KA, essayent aussi de faire un travail parce qu'ils en ont conscience. De façon très sournoise et assez difficile, le Gabon a aussi un peu avancé sur le sujet. Les autres, difficiles. Des questions là-dessus? C'est clair ce que je vous raconte? C'est un peu abstrait, j'en ai conscience. C'est en fin de journée, vous devez être fatigué, moi aussi. Mais c'est des notions absolument essentielles et je ne sais pas y arriver plus vite que ce que je viens de faire. Ouais, pardon. Moi, je me demandais, moi, je trouve le modèle très intéressant, mais est-ce que vous-même, vous y voyez des limites? Qu'est-ce que, pour l'instant, sur quoi vous avez un peu de mal à appliquer le modèle? Alors, il y a plein de limites. La principale sur laquelle on va passer le dernier quart d'heure, c'est que cet outil-là ne nous dit rien sur les façons de penser des gens. Ça nous renseigne beaucoup sur les organisations sociales, sur les rapports hommes-femmes, sur le rapport au temps, je vais en dire un mot, mais rien sur les mécanismes de pensée. Donc il faut inventer un autre outil pour éclairer les mécanismes de pensée, c'est ce que nous allons faire. On va juste y passer un quart d'heure, mais important. Donc je te remercie pour cette question. Il y en a d'autres ?
Ça a sûrement un rapport avec justement les mécanismes de pensée, mais comment dans des pays où il y a la personne morale qui est parfaitement établie, on a toujours de la corruption, justement à des échelons où, justement, où la conception de personne morale elle est la plus comprise, entre guillemets. Il y a deux raisons. D'abord, par quel pourcentage de la population locale la notion de personne morale est-elle admise? Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, globalement, dans l'ensemble, quel est le mouvement qui l'emporte? Est-ce que c'est on va vers la sécurité ou on va vers la précarité? Deuxième élément qui se rajoute. Et troisième élément, très simple, la malhonnêteté. Tout simplement, les gangsters. C'est-à-dire que vous avez des tas de gens en sécurité qui détournent des fonds publics. Mais c'est pas parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la personne morale. Parce que ce sont des gredins. Voilà. C'est tout. Et il y en a évidemment partout. Le bandit, le gredin est une notion extrêmement courante et dans tous les pays du monde, il y a la même proportion, je ne sais pas de combien, 5, 6, 7, 8% de bandits et de gredins par rapport à l'immense majorité des gens qui essayent d'être au contraire plutôt dans les clous. Ça n'a pas de rapport, ce n'est pas une notion culturelle, le gredin. Le voyou, ce n'est pas une notion culturelle. Par contre, ne pas connaître la notion de personne morale, ça, c'est une notion culturelle. Il faut arriver à faire la distinction entre les deux. Alors pour finir sur le rapport au temps, les choses sont assez simples. Imaginez que vous soyez sur le régime « tu feras comme ton père, tu feras comme ton père, tu feras comme ton père ». Demain sera comment par rapport à hier? Demain sera comment par rapport à hier? Pareil. Alors il y a une époque, j'ai appris le fang. Le fang, c'est une langue bantoue qu'on parle dans le nord du Gabon. Et je me suis aperçu que pour dire hier, on dit « akili ». Pour dire demain, on dit « akili ». C'est le même mot. Une fois que j'ai vu ça, je suis allé au Rwanda, enfin, j'ai demandé à des Rwandais, je leur ai dit, mais dans votre langue, comment dit-on hier? Ejo. Et comment dit-on demain? Ejo. Et quand j'étais en Inde, j'ai bien sûr demandé, ça fait partie des mots-clés, je demande aux gens, en hindi, comment vous dites hier? Kol. Et comment dites demain? Kol. C'est le même mot. Et vous avez des centaines de langues parlées dans le monde qui ont un seul mot pour dire hier et demain. Ça veut dire quoi ce mot? Ça veut dire l'autre jour. Autrement dit, il y a un mot qui désigne maintenant, le moment que je vis, et il y a un mot qui désigne l'autre jour, c'est-à-dire le moment que je ne vis pas. Parce que je ne vis pas demain, je ne vis pas hier, hein, je vis maintenant. Donc ça vous donne là cette notion du temps que j'appelle cyclique et non maîtrisable. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, effectivement, le temps ne dépend pas de moi. Il y a un cycle, après le jour vient la nuit, après l'été vient l'hiver, etc. Après une année vient une autre année, après la lumière, tout ce qu'on peut imaginer. Tout est cyclique. Le soleil dans le ciel, tout est cyclique. Et je ne contrôle rien. Ça, c'est le temps cyclique. Quand vous basculez dans le monde de la sécurité, tu feras mieux que, tu feras mieux que, tu feras mieux que, tu feras mieux que, tu feras mieux que. Alors demain sera comment par rapport à hier? Mieux. Alors si demain est mieux qu'hier, alors à partir de ce moment-là, nous inventons, et c'est une construction, nous inventons le temps linéaire et maîtrisable. C'est-à-dire, nous considérons que le temps, c'est nous qui le maîtrisons. Alors, on va vous faire des séminaires de gestion du temps. On a inventé des concepts qui font hurler de rire à la moitié de la planète, ça s'appelle le gain de temps et la perte de temps. Mais la moitié de la planète se gondole autour de l'idée qu'on puisse gagner ou perdre du temps qui, de toute façon, ne nous appartient pas. Et les gars m'ont souvent dit, mais qu'est-ce que tu gagnais du temps? T'en as fait quoi? Tu l'as mis où? Et donc cette notion d'un temps cyclique est une notion très très propre au contexte de précarité, que j'ai pu moi-même tout à fait observer à l'époque où j'étais chômeur. Au bout de 24 mois de chômage, j'aime autant vous dire que pour être à l'heure à un rendez-vous, il fallait que je me batte. Hein. J'oubliais toujours de prendre en compte le temps de transport, le machin, etc. J'étais en retard à tous mes rendez-vous. Parce que j'avais perdu la notion du temps maîtrisable et j'étais dans le temps cyclique et non maîtrisable. Il faut à peu près 2 ans quand vous quitter le monde du travail. Alors après, pour vous réinsérer, joli boulot. Hein. Donc voilà, perte de temps, gain de temps. Et là-dessus, on a construit des paramètres qui sont tout à fait étonnants, mais que nous considérons comme universels et objectifs. Ça s'appelle la programmation, la prévision, le projet, l'agenda, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Tous ces mécanismes-là qui reposent, sans jamais le dire, sur une perception du temps linéaire et maîtrisable. Alors que nous sommes nous-mêmes le plus mauvais défenseur de cette perception du temps. Il y a une époque où je vivais dans un contexte précaire et je développais une intense activité d'agronome qui m'avait valu le surnom de nuage de poussière. Parce que j'étais au volant de mon 4x4
travailler comme un fou du matin au soir, 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7. Et je développais une telle activité que les gens me voyaient passer dans mon 4x4 et m'avaient donc surnommé nuage de poussière. Un autre endroit, ils m'avaient surnommé tornade blanche. Après, ça voulait dire la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'allais leur dire en tant qu'agronome ? J'allais leur dire, ne perdez pas de temps, essayez d'en gagner, gérez mieux vos ressources et tout ira mieux. En substance, c'est ce que dit n'importe quel volontaire humanitaire. Hein. Alors, je leur disais donc, essayez de gagner du temps, pas en perdre, et puis ça ira mieux. Et de temps en temps, ils me voyaient passer au volant de mon 4x4 et ils m'arrêtaient en disant, Claire, arrête-toi, il faut qu'on parle. Et je répondais, j'ai pas le temps. Alors les gens se sont dit, c'est assez simple, finalement, il y a deux options. Soit on fait comme il dit, on passe sa vie, essayer de gagner du temps et pas en perdre, mais au total, on n'en a pas. C'est une option. L'autre option consiste à ne jamais s'occuper de gagner du temps ou d'en perdre, et au total, on en a. Donc les gens ont vite compris. Hein. Moins vous gérez le temps, plus vous en avez. Et plus vous gérez votre temps, et moins vous en avez. C'est clair pour la moitié de l'humanité. Hein. Et donc c'est pour ça que nous détruisons nous-mêmes la légitimité du rapport au temps que nous postulons. Là aussi, en termes de management, c'est un défi assez sympa. Alors, on va s'arrêter là. Simplement, il reste un tout petit quart d'heure pour répondre à votre question, les limites de tout ça, les systèmes de pensée. Je m'en suis aperçu parce que successivement, à l'espace de quelques temps, je m'étais trouvé dans un village au Niger. J'observais un niveau de précarité très rapidement. Quand on a l'habitude, ça demande 10 minutes. Et des modes de pensée particuliers. Très bien. Après, je me suis trouvé dans un village chinois, au fin fond de la Chine profonde. J'observais un niveau de précarité manifestement équivalent à celui de la Chine, mais des modes de raisonnement différents. Après, j'étais en Inde, dans un village indien, dans le Maharashtra. J'observais un niveau de précarité du même niveau et des types de raisonnement complètement différents. Je dis, mon outil est aveugle sur le sujet. Il ne me dit rien. Il ne m'explique pas les différences culturelles observées à niveau de précarité équivalent. Donc j'ai réinventé un autre outil. Et cet autre outil, c'est de dire, c'est quoi qui distingue les trois cas que je vous ai cités, le Niger, la Chine et l'Inde? Eh bien, ce sont des gens qui ont des rapports différents à l'écriture. Et donc, j'ai imaginé une autre grille basée là-dessus. Donc je repars d'une page blanche, j'oublie tout ce que je vous ai dit depuis ce matin, et je regarde simplement la place relative que les hommes accordent à la parole ou à l'écriture. Alors je fais très très vite, c'est simplement pour vous rendre compte que tous les outils ont leurs limites, et ta question était ô combien pertinente, et que chaque fois qu'on utilise un outil, il faut être conscient des limites pour en fabriquer d'autres, qui vont combler la limite, ils ont eux-mêmes des limites, et il faudra encore en fabriquer un autre. Et on n'aura pas assez d'une vie pour couvrir tout le champ. C'est une évidence. Et donc dans ce schéma-là, eh bien, pour faire extrêmement rapidement, l'accès au savoir se fait d'abord par le sens, mais là je n'en parle pas, et puis ensuite il se fait par le biais de la parole. Et dans un système de parole pure, et vous avez plein de sociétés aujourd'hui qui n'accordent d'importance qu'à la parole, si c'est écrit, ça n'est donc pas important. Je suis en train de travailler avec des entreprises françaises vis-à-vis de leurs filiales d'Afrique noire, qui n'accordent d'importance qu'à la parole, et ils font tout par mail. Je dis, c'est exactement comme si vous ne faisiez rien du tout. Décrochez votre téléphone, bon sang, et parlez aux gens. Et ils sont en train de me dire, je les avais hier au téléphone, que c'est vrai, ça améliore sacrément les choses. Ben, écoutez, c'est pas quand même si compliqué. Pour une raison très simple, quand un monde fonctionne sur la parole, toutes les informations sont stockées dans l'individu. Et que donc, pour avoir accès à une information, vous êtes obligé d'avoir un rapport avec quelqu'un. Et donc, il y a adéquation entre le savoir et l'individu. Et donc, plus vous avez de relations sociales, plus vous avez accès au savoir. Ce qui va vous interdire de vous couper de quelqu'un. Parce que si vous vous coupez de quelqu'un, vous coupez de quoi ? Du savoir. Donc, c'est interdiction. Alors ça passe par quoi ? Ça se manifeste quoi ? Et en termes de management, ça a une importance tout à fait capitale.
Ce sont des groupes culturels dans lesquels il y a une interdiction de prononcer les mots symboles de rupture. Quel est le premier mot symbole de rupture? Non. Donc à la question, est-ce que vous avez bien compris ce que je vous explique? La réponse est toujours. Oui. Même si le gars n'a rien compris du tout. Mais comme il vous a dit oui, vous croyez qu'il vous a compris. Mais non, il n'a pas compris. Il a compris la question que vous lui posiez. Il n'a rien compris ce que vous lui expliquez. D'ailleurs, si vous saviez interpréter la tonalité, il ne vous a pas dit oui, il vous a dit oui. Et donc, dans les groupes de parole, on fonctionne uniquement sur la tonalité des phonèmes et pas sur le phonème lui-même. Là, en termes de management, j'ai autant vous dire que je vais sans arrêt dans des situations complètement rocambolesques où les gens ont cru qu'on leur avait dit oui, alors qu'on leur disait non, mais ça ne se formulait pas. Oui. Et plein de peuples fonctionnent comme ça. Plein. Quand je gère les relations entre une commune et des groupes roms, au bout de 10 minutes, on est là-dessus. Mais on leur avait dit, ils avaient dit qu'ils étaient d'accord. Ils n'ont pas dit d'accord. Vous avez posé une question fermée à laquelle ils étaient obligés de répondre oui. Ça n'a rien à voir avec leur accord. Voilà, alors là, ça peut évidemment, et je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans les détails, je vais simplement vous rappeler, mais on n'a pas de tableau de papier ici. Pop. Bon. Si ? Oui, mais il faut une demi-heure pour le trouver, non ? On peut éventuellement trouver un feutre ? Voilà, pour qu'on termine par de petits graphiques, des petits dessins. Ça, c'est simplement, si vous voulez, les structurations de la pensée sociale qui se fait dans un monde de l'écriture, notion tout à fait importante. Je ne vous développe pas aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, j'ai écrit un bouquin qui raconte ça intégralement. Et puis ensuite, on rentre dans le monde de l'écriture. Et le monde de l'écriture, bah, c'est une notion simple. Ça consiste à mettre le savoir à l'extérieur de l'individu. C'est ça, l'écriture. Le savoir est à l'extérieur de l'individu. Autrement dit, il n'y a plus de rapport entre l'individu et le savoir. Le savoir est extérieur aux hommes. Et en inventant l'écriture, on a fait une mécanique tout à fait fondamentale. Et pour ça, il faut peut-être simplement se souvenir. Merci bien. Tu as un feutre en plus ? C'est le grand luxe. Oui, mais ça ira très bien. Il faut simplement se souvenir comment on a inventé l'écriture. Alors, je ne sais pas si vous étiez là ce jour-là, on a inventé l'écriture. Non. L'invention de l'écriture se passe probablement aux alentours de 3800 avant Jésus-Christ. C'est pas ancien du tout. Hein. Dans l'histoire de l'humanité, c'est une affaire récente. Ça a 6000 ans, à peine. C'est rien sur les 200 000 ans de l'Homo sapiens. Hein. C'est rien du tout, l'écriture. Et ça s'est passé probablement comment? Je dis probablement parce que personne n'a la preuve. Et on peut simplement reconstituer le mécanisme. Il est probable que l'invention soit résultante d'une rencontre entre les nomades et les sédentaires. Le sédentaire est propriétaire de troupeaux qu'il confie à un nomade qui part sur l'alpage. Au bout de 2 mois, le nomade revient avec le troupeau et le sédentaire, propriétaire du troupeau, vient vérifier qu'il y a autant de moutons après qu'avant. Je fais l'hypothèse que c'est des moutons, j'en sais strictement rien, ça n'a aucune importance. Donc ils vont vérifier que l'effectif est stable. Personne ne sait compter à l'époque. Donc il faut vérifier un effectif alors qu'on ne sait pas compter. Donc les hommes inventent un premier système qui consiste à, quand le troupeau part, chaque fois qu'il y a une bête qui part, on prend un caillou, on met sur le tas. Le tas de cailloux représente le nombre de moutons. Quand il passe dans l'autre sens, on déplace le tas de cailloux, un pour un. Ne demandez pas aux gens s'ils ont 28 moutons ou 280, ils n'en savent rien. Hein. Ils en ont autant que de cailloux. En réalité, ça fonctionne déjà depuis assez longtemps. Et vers 3008 avant Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui dit, c'est bien joli tout ça, mais moi j'aimerais bien aller vérifier pendant que le berger est là-bas qu'il n'est pas en train de me boulotter un mouton. Donc il faut emmener le tas de cailloux. Pour ça, ils prennent de l'argile, il faut une bulle d'argile. Ils mettent les petits cailloux pour compter dedans, ils les mettent sous le bras, ils montent sur leur cheval, cataclope, cataclope, ils vont là-bas, ils ouvrent la bulle d'argile et ils comptent les moutons avec les petits cailloux pour compter. Petits cailloux pour compter qu'on appellera très vite des calculis. C'est pour ça que le mot calcul désigne à la fois petits cailloux et pour compter. Parce qu'à l'origine, c'est petits cailloux pour compter. Étape suivante, il y a quelqu'un un jour qui dit « C'est bien joli tout ça, mais j'ai tellement de moutons
que si je mets un caillou par mouton, ça me fait une putain de boule, que pour faire du cheval, c'est pas pratique. Bon, dit en acadien, je ne sais pas comment il le disait, mais enfin, c'était ça l'idée générale. Donc, il faut réduire la taille de la boule d'argile. Et pour réduire la taille de la boule d'argile, il faut inventer un caillou qui en représente plusieurs. Donc, c'est l'idée de multiple. Naît dans la tête des hommes, probablement vers 3600, l'idée de multiple, le plus grand possible, que tout le monde ait sur soi pour qu'on puisse contrôler. Quel est, d'après vous, le plus grand multiple que les hommes vont trouver sur eux pour pouvoir contrôler des grands nombres? 10 serait nécessité que l'on comptât avec les deux mains. Or, la main gauche étant réservée des usages impurs que je vous laisse dominer, on ne va pas l'utiliser pour compter la bouffe. Un peu d'hygiène, mec, quand même. Donc, il faut se débrouiller avec une seule main. Et sur une main, il faut trouver un objet pour compter et des objets à compter dans le plus grand nombre possible. Les hommes étant tous rationnels, ils ont vite compris qu'avec le pouce, ils pouvaient compter leurs phalanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Naissance de la douzaine. Depuis ce jour-là, on se met à compter les huîtres et les apôtres par 12. J'ai enfin su pourquoi on comptait les apôtres comme des huîtres. Donc on va se retrouver avec des calculis unités, des calculis douzaines. D'ailleurs, ils les font en petites billes d'argile à partir de ce moment-là. Il y a une bille d'argile ronde qui représente le point fermé, autrement dit, 12. Et puis un petit bille d'argile qui a forme d'un petit tube, qui représente la phalange, autrement dit, l'unité. Nous sommes vers 3005. On a des unités et des douzaines. Et puis ensuite, il y a un type qui dit, c'est bien joli tout ça, mais moi quand j'arrive là-bas, je casse la boule d'argile, je compte tous les moutons, j'en ai beaucoup, le temps que je fais ça, l'argile sèche. Dans ce coin, il n'y a pas d'argile fraîche. Comment je récupère mes calculis pour les transporter? C'est le merdier. Alors, c'est le merdier en acadien, je ne sais pas comment on disait. Bon. Et quelqu'un dit, ben, c'est simple, on va inventer un système très simple, on va dessiner sur la boule d'argile les calculis qu'on met dedans. Comme ça, si on arrive et qu'il n'y a pas d'argile, on n'aura qu'à compter les dessins. Et les hommes inventent deux signes. Pour dessiner la boule d'argile qui vaut 12, évidemment, ils inventent ce signe-là. Ça va être 12. Et puis ils prennent le calame, c'est-à-dire le roseau, ils le mettent de biais dans l'argile, et ils vont dessiner l'unité. Alors on a retrouvé des boules d'argile à l'intérieur duquel il y avait des calculis, unité, douzaine, et sur lesquels étaient dessinés les calculis qu'il y avait dedans. Ça dure encore 100 ans. Au bout de 100 ans, il y a un mec qui pose la bonne question. Maintenant qu'on a les dessins sur la boule, à quoi servent les calculis dedans? Le mec répond à rien. Ça, c'est probablement la plus grande invention de l'histoire de l'humanité. On peut se passer de l'objet et on le remplace par son dessin. Et le remplacement de l'objet par le dessin fait faire à la capacité d'abstraction un bond absolument fantastique. Sauf que quand vous remplacez les calculis par le dessin, vous pouvez écraser la boule qui devient une tablette. Mais sur une tablette, vous pouvez faire plusieurs dessins. Alors ça fait naître un autre besoin. S'il y a plusieurs dessins, à quoi correspondent chacun? Des nombres. Et les hommes inventent un système, on va désigner ce que l'on dénombre. Parce que maintenant que j'ai une tablette avec juste des chiffres, je peux mettre 1, 2, 3, 4 chiffres différents. Et qui correspondent à 1, 2, 3, 4 choses différentes. Donc il faut nommer les choses. Alors, il les nommait déjà, mais il les nommait de façon orale. Là, maintenant, il va falloir nommer de façon écrite. Alors, le premier système, c'est quoi? Comment est-ce qu'ils vont inventer une façon d'écrire le nom de l'objet? Ils font des dessins, bien sûr. Et les premiers dessins qui apparaissent, dans l'ordre, correspondent d'abord à un animal dont on utilise le cuir, la force, et que les gens appellent à l'époque à l'œuf. Et puis on voit aussi apparaître très rapidement une entité qui représente manifestement l'endroit dans lequel les gens habitent. Dans leur langue, le proto-sinaïtique, on appelle cet endroit-là bête. Et puis on voit aussi apparaître assez rapidement quelque chose dont on a besoin pour construire tout ça. La paume de la main. Que dans leur langue, les gens appellent keuf. Alors ça va fonctionner un assez long moment. Et au bout d'un moment, les gens vont se dire, c'est vachement bien tout ça, sauf qu'il faut combien de dessins pour décrire le réel? Autant que de réel. 3000,
4000 dessins différents. Chaque dessin désigne un truc. C'est un énorme avantage. Quelle que soit la langue que vous parliez, vous arrivez à comprendre. Mais c'est un inconvénient. Il faut apprendre beaucoup de signes. Alors, comme la flemme est le grand moteur de l'humanité, les gens vont dire, non, on va simplifier un peu, on va faire de l'acrophonie, c'est le nom que je lui donne, et on va décider que ça désigne pas l'animal. Ça porte la première syllabe du mot qui désigne l'animal. On fait de l'acrophonie. En même temps, les gens se rendent compte que jusque-là, ils écrivent en colonne. Quand vous écrivez en colonne, vous sollicitez trois articulations. Si vous êtes de l'arthrose de l'épaule, vous avez trouvé que l'écriture en colonne, c'est extrêmement chiant. Donc rapidement, vous allez dire, tiens, mais il y aurait peut-être un moyen plus simple, c'est que si on couche la colonne, alors on peut écrire simplement avec le poignet, c'est moins fatigant. Mais comme depuis plusieurs siècles, on écrit en colonne et qu'on se met à coucher la colonne, on fait faire à tous les dessins un quart de tour. Alors celui-là, on finira par le dessiner comme ça. Puis celui-là, on finira par le dessiner comme ça. Celui-là, on finira par le dessiner comme ça. Et ensuite, on va le simplifier, on va dire c'est bien joli tout ça, mais si vous faites porter la première syllabe, il faut encore 300 syllabes différentes pour décrire notre langue. Il y a moyen de simplifier. Le dessin ne va pas porter la syllabe, mais le premier phonème de la syllabe. Alors on se met à simplifier encore. Et celui-là, on va l'écrire comme ça, en lui faisant porter le premier phonème du mot par lequel les gens désignent cette bestiole, qu'ils appellent dans leur langue « aleuf ». C'est la raison pour laquelle ce dessin apporte le son A. Ah. Et que celui-ci, on finira par le simplifier en lui faisant porter le son initial du mot qu'à l'époque les gens utilisent dans leur langue pour désigner la maison bête. Donc c'est la raison pour laquelle ce dessin porte le son B. Et puis celui-ci, on finira par le simplifier. Alors, pour ceux qui écrivent dans un sens, on le simplifie comme ça. En lui faisant porter le son initial du mot qu'à l'époque les gens utilisent pour désigner la paume de la main, keuf. C'est la raison pour laquelle ce dessin porte le son K. Mais évidemment que si vous écrivez dans l'autre sens, très rapidement, vous allez comprendre qu'il n'y a pas besoin d'écrire tout ça. Il suffit d'écrire comme ça. Et vous allez à l'alphabet arabe. Et puis ici, d'ici à là, c'est bien joli, mais après tout, c'est pas plus con d'écrire comme ça, non? Vous avez tout l'alphabet cyrillique. Autrement dit, quand vous avez étudié tous les alphabets, vous apercevez évidemment que d'une part, il faut plus que 22 dessins, parce que dans la langue parlée par les gens, il n'y a que 22 sons. Ils ont choisi quoi comme dessin? Les dessins simplifiés des 22 entités commençant par les 22 sons de leur langue. Les gens sont simplement rationnels. Et au passage, vous pouvez vous apercevoir que tous les alphabets du monde sont cousins. Alors si tous les alphabets sont cousins, que dire des hommes? Et donc avec cet autre outil de lecture, vous complétez le tableau. Et tu vois bien que je l'ai mis verticalement. Parce qu'ensuite, on va terminer là-dessus, parce que c'est l'heure. Ouais, c'est bon, on est dans les temps. Ça, c'est des tas d'autres choses qu'on pourrait faire, mais bon, je ne vais pas vous... Hop. Top, 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 top. Tout ça, c'est ce qu'on fait quand on fait plusieurs jours. Mais je... Hop, hop, hop. Oui, il y en a encore, hein, on pourrait parler. Hop, top, 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 top. Et on arrive à ce que je voudrais vous montrer pour finir. C'est ça. Là, vous avez les 5 mots-clés de la première grille sur lesquels on a passé l'essentiel de la journée. Puis là, vous avez les 5 mots-clés de la deuxième grille que j'ai juste évoquée avec vous en 10 minutes, mais dont vous voyez déjà. Alors, il y a écrit analogie et analyse. Oui, si on arrive à le voir. Et puis, il y en a une troisième qui existe quand même, même si je la mets volontairement au fond, c'est la question métaphysique. Et ça, c'est mon GPS interculturel personnel. J'ai ça dans la tête. Tout est mémorisé depuis évidemment très très longtemps. Les deux premières grilles vous définissent parce que chaque groupe culturel appartient simultanément à ces trois axes. Je pose trois questions aux hommes. Où en êtes-vous du droit à l'erreur? Qu'est-ce qui se passe quand vous vous trompez? Là, on a tout le contenu de la journée. Vecteur d'accès au savoir, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, la parole ou l'écrit? Et si c'est l'écrit, c'est une écriture analogique de type chinoise ou c'est une écriture analytique de type alphabétique?
Je positionne les gens sur ces deux axes-là. Ça me donne ce que j'appelle le plan des comportements négociables. Parce que sur ces deux axes-là, tout le monde peut bouger. Sans attenter le moins du monde à l'identité des gens. Puisque je ne m'occupe pas de religion, je ne m'occupe pas de nationalité, je m'occupe que des paramètres universels négociables. Et avec ça, on peut se balader dans le monde entier et négocier avec les gens des comportements nouveaux sans du tout attenter à la question religieuse ou nationale qui, par définition, n'est pas négociable. Allez, je vous mets, juste pour terminer, la bibliographie. Et évidemment, vous voyez à la fin mes quatre bouquins que j'ai écrits sur toutes ces questions-là. Le dernier s'appelle « Le comptable et le compteur ». Comme dans la journée, vous avez vu l'importance que je donne à la notion quantifiable ou pas, parole ou écriture, et le croisement des deux, ben, ça vous donne le comptable et le compteur, bien entendu. Et la dernière phrase de ce bouquin se termine en disant « Il serait temps que nos comptables écoutent un peu les compteurs ». Les compteurs, eux, donnent du sens au monde. Les comptables ne donnent aucun sens au monde. Et c'est ça dont nous sommes en train de crever. C'est que personne ne s'occupe du sens. Ça sert à quoi? Ce que l'on fait, c'est pour nous amener où? Pas simplement pour faire augmenter le PIB. Si on augmente le PIB, mais que le monde devient invivable, je ne vois pas bien l'intérêt. Sur ce, il est 17h05. Je vous remercie. S'il y en a parmi vous qui voudraient éventuellement revoir tel ou tel aspect, il se trouve que je n'ai pas d'homonyme sur Internet, donc j'ai une chaîne YouTube et je mets dessus toutes mes conférences et tous mes trucs. Donc si, voilà, un jour ça vous intéresse, vous tapez Claire Michalon YouTube et vous avez tout ce que vous voulez sur le sujet. Sur ce, merci et bonne route, amusez-vous bien. Un grand merci à toi Claire. Je prends juste quelques minutes, ou si vous voulez, vous pouvez juste prendre le frais 5 minutes, le temps que je m'organise, et on va procéder au choix des sujets de la semaine pour chaque groupe. Il est important que l'intégralité du groupe soit là autant que faire se peut. Thank you.